Parce qu'il n'est pas docteur de l'évangile de Christ. Alléluia. Il s'est accroché à la lettre pour faire croire que le septième jour est le jour du repos de Dieu. Mais nous, les initiés de la véritable samba spirituelle, nous avons la révélation éternelle que le septième millénaire est le jour du règne de l'héritier du trône de David. Le règne de Christ et des petits Christ. Mais c'est après le règne millénaire, après le jugement dernier, que nous rentrons dans l'éternité. Et là, il règnera avec nous en tant que le Père éternel. Mais aussi longtemps qu'on est dans le tel espace, non, le tel espace est trop petit pour le contenir. Dites-le ça. Et c'est de ça qu'on doit parler lorsqu'on se rassemble. Il n'est pas question de dire si ta femme a préparé, il faut donner aux gens. Si tu quittes un voyage, il faut donner habit à tes frères. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit peut faire ça. Dans la meute même des lions, quand un lion prédateur il attrape une proie là, il partage ça avec la meute. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui fait ça? Est-ce qu'il a écouté un prêtre pour faire ça? Est-ce qu'il a écouté un pape pour faire ça? Alléluia! Nous sommes là pour parler de la samba spirituelle. Le Rushka. Notre Rutabaga. La mal cachée aux yeux du monde entier. Mais révélée à notre Père. Le Seigneur de gloire. Qu'il a transmis à son peuple que nous sommes. Et ces choses-là sont pour notre gloire. À part la religion. La dénomination. L'africanisme. L'occidentalisme, l'européanisme, à part le pranamisme, les pranamistes, les pranamo-messagistes, les fils de l'homisme, les tonneristes, paratonneristes, à part les aigles verts, à part les aigles blancs. Regardez ce qui s'est passé cette semaine. J'ai vu dans une vidéo pitoyable, une vidéo de honte et d'humiliation, où un prisonnier de Satan qui s'est dit pasteur dit que lui délivre quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il dit que lui est possédé de Satan. Et il parle. Bon. Et c'est le chef bandit. Ce pasteur de Satan là. C'est lui qui met les paroles dans la bouche du possédé. Et il cite le nom des leaders des bergers. Un leader paroissiaux. Et il pose la question. Est-ce que Nyaoré, il est ton serviteur? Et le petit, ce petit Djenki là. Bon, c'est un junkie. Il y a des gens qui ne supportent pas la dose de la drogue et qui l'appellent quand même. Donc il disjoncte. C'est le disjoncté de prison brique. Et son pasteur, c'est Théodore Baguel. Les deux voyous en question. Et regardez ce qu'il dit. Est-ce que lui, il est dans la vérité? Il dit non. L'autre, est-ce qu'il est ton serviteur? Il dit non. Mais dans la Bible, est-ce que c'est comme ça la délivrance se fait? Alléluia. Quand le Seigneur Jésus-Christ chassait les démons, il libérait les possédés. Il délivrait les fous là. Il délivrait les possédés là. Est-ce que Jésus demandait aux possédés? Est-ce que Hérode est ton serviteur? Est-ce que Anne et Caïphe sont à ton service? Est-ce que César est ton serviteur? Entre eux, il y a la haine, la division qui règne. Et quand l'autre a un semblant de pouvoir, il faut croire qu'il est au-dessus des autres. Mais vous êtes la même chose. Vous êtes de la même loge. La loge la plus ténébreuse et sinistre
la loge des cathares. Il va croire qu'il est un homme de Dieu. Et il finit ses simagrées là. Et il demande au petit, aide-moi. Et ce Dieu qu'il a, il dit, toi vrai serviteur. Mais vrai serviteur de qui? Les autorités religieuses qui ont été citées dans la vidéo, mais je veux parler de l'être humain lui-même, de la méchanceté des hommes. Ces hommes-là, ces leaders religieux-là, nous, on combat ce qu'ils font en prouvant doctrinalement qu'ils enseignent des fausses doctrines. Voici comment ça doit se passer. Mais comme tu es contre eux dans leur cœur, dans ton cœur, tu montes un coup avec un petit voyou, et même s'il est possédé, c'est toi qui lui mets les paroles dans la bouche. Mais si toi tu as cœur de citer le nom des gens, il faut citer le nom des personnages politiques du pays. Là on va voir vraiment si tu es sincère. Frapper, ils vont te faire là. La drogue que toi et ton gars vous avez fumé là-bas, vous quittez. Alléluia. Je parle de ces choses parce que dans ce ministère, on a assisté à la même chose. Il y a un chef, un redoutable sorcier qui se faisait passer pour un homme de Dieu. Vas-y. Qui se faisait appeler à tort boule de feu. Une paille sans fumée. Il est sorcier comme son propre enfant. Et c'est l'enfant-là qui lui révèle que lui est un grand homme de Dieu. Oui, je vous dis la vérité. Ce prophète du diable qui se fait appeler boule de feu. Mais regardez, c'est cet enfant-là qui a eu révélation que lui est homme de Dieu. Et pose la question à la fois, parce que ce sont les mêmes esprits. L'esprit de faux prophètes, d'usurpation, l'esprit de haine. Il pose la question à l'esprit. Est-ce qu'il y a vendu à le signe? Et le petit sorcier dit oui. Est-ce que je dois le signe? Le petit sorcier dit oui. Et j'ai dit le berceau, il a le signe. Le petit sorcier dit oui. Et maintenant, il dit, et le prophète décrit de minuit. Lui n'a pas le signe, non? Et le petit dit oui. Il dit, écoutez la suite maintenant. Et il demande au petit sorcier, et moi-même. Et le petit sorcier dit au faux prophète boule de paille que toi aussi tu as le signe. Mais attendez là. Nous, dans ce ministère, dans la lutte qu'on mène là, on a toujours dit que, à part ce qu'on prêche, il n'y a pas de vérité ailleurs. C'est-à-dire, c'est ce que lui croit dans son cœur là, qui met dans la bouche de son petit sorcier. Maintenant, aujourd'hui, pour montrer que c'est vraiment un sorcier, il s'est affronté avec ce petit dans un duel épique. Et il a tué le petit. Et à la mort de ce petit, les scènes qu'il décrive, à vous qui écoutez et qui savez très bien de qui je parle, demandez-lui de vous expliquer des circonstances et des scènes qui se sont déroulées lors de la mort de cet enfant. Nous, on a constaté que c'était l'affrontement de deux redoutables sorciers. Et les scènes qu'il décrit, quand on écoute même, on ne sait pas de quoi il veut parler. Je n'ai jamais vu quelqu'un être aussi heureux de la mort de son enfant. Même le roi David, quand Absalom est mort, David a pleuré. Mais lui, il était heureux de la mort de cet enfant. Parce que il sait pourquoi il est heureux. Quand deux chefs sont dans un bateau, il y a deux capitaines, il faut qu'un meure. Et la boule de paille a tué le petit. Et il était heureux. Si tu veux discuter, je t'attends publiquement pour que tu viennes expliquer les circonstances de la mort de cet enfant. Et de nous expliquer maintenant quand est le signe ou le signe que tu as vu sur les gens. Par cet enfant-là, le signe dont il a parlé. Parce que ce dont tu disais hier, de la bouche de ce petit sorcier, que vous avez le même signe aujourd'hui qui dit qu'ils sont Satan. Je t'attends pour te demander c'est quel signe. Parce que tu nous portais le même signe que toi. C'était quel signe au juste? Et comment subitement on a changé de signe? Ou bien c'est toi qui as changé de signe? Alléluia! Voici des questions intéressantes à traiter. Alors c'est la même chose que j'ai vu reproduit dans la vidéo de ce païen qui se fait appeler pasteur. Et la fille même qui a publié la vidéo, je suis allé sur sa page pour voir son visage. Un visage aussi déconcertant. Un visage trouillé.
une éponge, imbue des débris de la boisson africaine qu'on appelle Chapalo. Et je la vois en pantalon dans une forme batracianisée. Elle est la forme d'un batracien. Et son visage même est rempli de malédiction. C'est elle qui publie telle chose, se fait appeler servant de Dieu. Que Dieu vous maudisse encore. Est-ce que de telles manigances, de telle manière de procéder là, est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Qui une fois a procédé comme ça pour délivrer une âme dans les Écritures? Où l'apôtre Paul délivre un procédé pour dire, est-ce que Pierre est sauvé? Est-ce que Pierre est ton serviteur? Est-ce que Matthieu est ton serviteur? Est-ce que Barnabas est ton serviteur? Ça montre qu'entre vous-même, la haine règne. Et quand la révolution chrétienne vient frapper dans le tas, vous tous vous fuyez. À part les faux prophètes, les prophètes de Baal, les prophètes d'Atasté, à part les pasteurs pacotis, et la gloire, l'adoration, la louange, Maranatha. Seigneur Jésus-Christ. Vive la révolution chrétienne, vive la logomachie. Vive la révolution chrétienne, vive la logomachie. Vive la révolution chrétienne, vive. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons commencer notre danse mystique. Amen. Et le sujet du jour, comme tous les serviteurs de Dieu, comme beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est ce qui est juste, comme beaucoup de serviteurs de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a été traité de démon. C'est ça qu'on va développer ce matin-là. Parce qu'il y a des frères qui sont attristés. Quand ils voient des gens qui font vidéo pour insulter Gédéon. Mais Gédéon est qui pour ne pas qu'on l'insulte? Non, maître, ce qu'ils ont fait ici, c'est montage, tout ça là. Non, on n'a pas le temps de tout ça. Il faut que ces choses existent. Restez serein, tranquille. Aussi longtemps que vous ne rêverez pas quelqu'un. Vous ne verrez pas un soi-disant pasteur prendre les écritures pour prouver que la doctrine qu'on prêche est fausse. Sinon, les preuves là, nous tous on peut fabriquer ça. Mais la seule chose qu'on ne peut pas fabriquer, c'est la vérité. Amen. Amen, amen. Et nous, notre boussole, notre socle éternel, c'est l'évangile. Si vous voyez quelqu'un développer qu'on est dans le faux par principe doctrinal, en ce moment là, vous pouvez vous inquiéter. Mais dit que Gédéon, sa tête est comme si, cheveux qu'il a fait comme ça, là, voilà ce que ça veut dire. Et lui, il est spécialisé à interpréter mon accoutrement. Laisse-le. C'est parce que c'est trop fort. Quand les gens ne pouvaient rien contre le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? À la dernière minute, ils ont pris ses vêtements pour se partager ça. Mais ils ne peuvent pas se partager le Christ. Pourquoi ils n'ont pas pu cela? Ça, c'est une autre problématique pour ne pas mélanger le sujet du jour. Nous allons parler de ce sujet-là. Comme beaucoup de serviteurs de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a été traité de démon. C'est le titre de notre exhortation. Et on va envoyer cela au reste du monde entier. Et on va vous montrer pourquoi Jésus fut traité de démon. Asseyez-vous bien aimé. Alléluia! Nous allons commencer maintenant. Ou du moins continuer. Parce que le culte ne commence pas maintenant. Comme beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, comme beaucoup de représentants de Dieu sur la terre des hommes, comme beaucoup d'envoyés de Dieu, comme beaucoup de véritables et authentiques serviteurs de Dieu, comme beaucoup de prophètes authentiques de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui les envoyait lui-même, lorsqu'il est venu dans un corps d'or, il a été traité de démon. Et vu même le prince, le bagnon des démons. Je salue au passage le professeur Wallace, que je repère dans la salle. Alors, le Seigneur.
Seigneur Jésus-Christ a été traité de démon et de prince des démons. Nous allons voir qu'est-ce que Jésus a dit de si grave. Qu'est-ce que Jésus a dit de si mauvais pour qu'il soit traité de démon et même du bagnon des démons. Le mot bagnon est un mot propre à nous les Ivoiriens, qui veut dire le plus beau des jeunes garçons. Quand on fait concours beauté masculine, le gagnant là, c'est lui qui est bagnon. Le plus beau en question. Alors, donc, le mot bagnon veut dire le plus beau. Le Seigneur Jésus-Christ a été traité du bagnon, du meilleur. Quand on fait l'élection des démons là, et tous, le plus dangereux d'entre eux, c'est lui qui a été traité comme étant notre Seigneur Jésus. Alors que cela n'est pas juste. Mais qu'est-ce que Jésus a dit de si grave? Qu'est-ce que Jésus a prêché de si mauvais? Qu'est-ce qu'il a développé de plus cruel, de plus démoniaque, de plus satanique, de plus maléfique, de plus obscurantiste pour qu'il soit traité de démon et de prince des démons? Beaucoup de frères et de sœurs sont attristés. Elle m'appelle pour me consoler, pour dire Yako, que Dieu te fortifie. Moi, je suis là, je mourrai de cabri mort. En m'engageant dans ça, je sais ce qui est dedans. Et vous aussi, à un moment donné, ça ne se limitera pas à Gédéon. Vous allez voir votre part, vous allez sentir ça aussi. Alors, ceux qui sont dans l'esprit de bébé Gatéa, hein? De bébés qui ne veulent pas grandir, tout, des plénichards là. Il faut que vous sachiez très tôt ce qui nous attend dans cette affaire. Parce qu'un homme a visé en votre, n'est-ce pas? Et je ne veux pas que vous dormez. Parce que le sommeil aussi est un facteur pour vous empêcher de comprendre et écouter ce qui est dit. Au jour de l'épreuve, c'est la connaissance de Dieu qu'on a reçue qu'on doit prendre comme les armes pour affronter l'ennemi. N'est-ce pas ce qui est écrit? Nous commençons maintenant, Genèse chapitre 19. Le verset 12 à 14, on va prendre un modèle, un exemple, un témoignage de l'Ancien Testament. Et vous allez tous voir comment est-ce que cela s'est passé. Genèse 19, 12 à 14. Je ne veux pas être long avec les exemples, l'histoire de l'Ancien Testament. Je vais aller directement à Christ, puisque c'est lui qui est l'objet qui nous rassemble ce matin. Amen. Mais il faut prendre le témoignage des anciens aussi. Cela est très important. Sinon, si on veut parler de l'opposition à la vérité de Dieu, cela a commencé au ciel. Quand Dieu a établi son programme de règne, quand Dieu a présenté son plan de gouvernement à son peuple, Satan a prouvé par A plus B que Dieu est un plaisantin. Le diable a démontré que Dieu est un plaisantin. Il a prouvé que Dieu ne connaît rien, que Dieu ne tenait sur rien, que Dieu est un usurpateur. Et qu'est-ce qu'il fit? Il a même demandé aux anges de l'adorer. Et il veut prendre la place de Dieu. Vous croyez que c'est en se levant comme ça, sans parler, pour aller s'asseoir sur le trône de Dieu, que les anges vont suivre Satan? Vous avez une fois vu quelqu'un qui a pris le pouvoir sans faire campagne? Est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un prendre le pouvoir sans faire campagne? Non. Donc il y a une campagne qui a été faite au départ. C'est à la suite de la campagne qu'on prend le pouvoir, si on est élu. Mais Satan, lui, il n'a pas attendu l'élection. Il a fait son discours, il a fait son allocution, il a démontré par A plus B que Dieu est un faux type et que c'est un vieux qui depuis là ne veut pas quitter le pouvoir. Il a prouvé les incohérences. Il a démontré que Dieu n'est pas sérieux et qu'il n'est pas un homme à adorer avant de prendre le pouvoir. Mais quand il a tenté d'arriver là sur le trône, Dieu l'a projeté. C'est là-bas que ça a commencé. Parce que comment est-ce que Satan a réussi à se faire passer pour Dieu? Il ne peut pas avoir deux dieux. Maintenant, si lui dit les dieux, c'est qu'il a présenté le créateur des cieux et de la terre en tant que qui? Hein? Il a présenté Dieu en tant qu'un usurpateur, un démon, Satan. Il dit en réalité, on m'a appelé Lucifer depuis là, mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ce vieux-là qui est Lucifer.
Depuis on est ici là, vous l'avez une fois vu changer. Vous l'avez une fois vu céder pouvoir là. Alléluia. Donc, c'est au ciel que ça a commencé. Et sur la terre, la souris s'est répercutée. Et qu'est-ce qu'ils font? En éternel, quand tu as donné les instructions à l'homme et la femme, et plus tard l'homme a parlé à la femme, le même démon, le même Satan est descendu pour prouver que ce que Dieu a dit là n'est pas juste et qu'il n'aura rien. Et lui, il se fait passer pour quelqu'un de bien et Dieu est mauvais, qui ne veut pas que son peuple connaisse ce qui est bon. Et jusqu'à cette heure, la doctrine luciférienne de ce genre-là est démontrée, que Dieu a caché la connaissance du bien et du plaisir de la vie à l'homme. Mais c'est Satan qui est venu montrer ça. Du coup, on fait passer Satan pour quelqu'un de bon, et c'est Dieu qui est mauvais. Ce que je dis là, les Raéliens, ils développent ça. Les militants des loges, les loges obscures et ténébreuses, développent ces choses-là. Prouve que Dieu est mauvais, mais Satan est bon. Tout cela parce que chaque citoyen, chaque militant, chaque adepte bat la campagne de son leader. Et c'est ce qui est juste d'ailleurs. Donc le Seigneur Jésus-Christ a été présenté par le diable comme étant un malfaiteur, comme un homme qui n'aime pas les humains, qui n'aime pas la race des hommes, qui n'aime pas la race humaine, qui n'aime pas le genre humain. Et que c'est lui le diable qui a des bons projets pour l'humanité. Et il a convaincu l'homme par sa femme. Et ils ont obéi, ils ont suivi la volonté de Satan. Mais tout cela répondait aussi au plan de Dieu. Ça, c'est la surface, mais à la profondeur. On ne va pas mélanger les choses. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au temps de Lot, lorsqu'il était à Sodome et Gomorre, Dieu a envoyé ses anges, les deux anges qui sont allés à Sodome et Gomorre, pour aller chercher Lot et sa famille. Mais regardez ce que la Bible a dit. Regardez ce qu'ils ont raconté là-bas. Au sujet des serviteurs de Dieu qui sont partis. Au sujet des représentants du ciel qui sont partis. Comment les habitants de Sodome et Gomorre les ont traités? Oui, frère. Genèse 19, le verset 12 à 14. Oui. Les hommes disent à Lot. Les hommes disent à Lot. Qui es-tu encore ici? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as encore? Qui tu as encore dans cette ville? Gendre. Fils et fille. Fils et fille. Et tout ce qui t'appartient dans la ville. Et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu. Fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu. Mais ces anges-là, à ceux qui, quand nous parlons, demandent des miracles. Demande des signes pour attester que nous sommes des authentiques envoyés de Dieu. Mais les deux anges descendus du ciel, quels signes ont apporté à Sodome et Gomorre? Dites-moi, à vous les pasteurs pacotis, les fidèles, aux oreilles de lapin, mais à la réflexion de la taille d'un agouti. Ils ont des réflexions agouties, petites, petites réflexions. Mais nous, les aigles de Dieu, nous avons une petite oreille. Mais on a une réflexion et une compréhension aiguë et profonde des choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quel signe, quel miracle, quelle preuve pouvait attester ce jour-là que les deux anges descendus du ciel qui ont accompagné le grand Adonai lui-même après avoir mangé chez Abraham. Amen. Amen. Quand ils ont mangé chez Abraham, ils sont partis là-bas. Quel signe ils ont apporté? Quelle preuve ils ont apporté? Quel était le miracle qu'ils ont accompli à Sodome et Gomorre? Alléluia! Le seul miracle qu'ils ont accompli, c'est le miracle divin. Ils ont fait parler la parole. Pour libérer, pour sauver Lot et sa famille. À part cela, moi, je n'ai pas encore vu ce qu'ils ont fait. Et il n'y a eu aucune preuve, aucun signe dans le ciel, sur la terre, jusqu'à ce que le feu descende du ciel pour les consumer. Et non, c'est quel signe vous avez? C'est quel miracle vous faites? Le grand miracle pour nous, nous nous sommes déjà situés à ce sujet-là. Nous sommes déjà situés sur ce sujet-là, sur ce point-là déjà. Vas-y, frère. Les hommes disent à l'autre. Les hommes disent à l'autre. Qui es-tu encore ici? Qui es-tu encore ici? Gendre. Fils et fille. Fils et fille. Et tout ce qui t'appartient. Et tout ce qui t'appartient de la vie. Fais-les sortir de ce lieu. Fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants. Oui. Est grand devant l'Éternel. Est grand devant l'Éternel. Et l'Éternel nous a envoyé pour le détruire. Bon, il n'a qu'à donner une preuve que c'est l'Éternel qui les a envoyés. Mais la Bible dit quoi? Et Lot sortit. Lot sortit. Et parla à ses gendres. Parla à ses gendres. Il avait pris sa fille. Et il a dit,
Il a dit quoi? Lèvez-vous, dit-il. Lèvez-vous, dit-il. Et sortez de ce lieu. Alors la fille de Lot était avec des gens. Lot allait parler à ses gens. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passa? Quand nous allons détruire ce lieu. Nous allons détruire ce lieu. Parce qu'on a écrit contre ses habitants, grand devant l'Éternel. Oui. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Oui. Lot sortit et parla à ses gens. Il parla à ses gens. Qui avait pris sa fille. Oui. Lèvez-vous, dit-il. Lèvez-vous, dit-il. Et sortez de ce lieu. Sortez de ce lieu. Quand l'Éternel va détruire la ville. L'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres. Aux yeux de ses gendres. Il parut plaisanter. Bon, où est plaisanterie? Quand on dit quelqu'un, tu vois quelqu'un en plaisantant, c'est qu'il te fait? Oui. Il te fait? Oui. Qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Quand ils nous écoutent là, il y a d'autres qui ils ont le courage de nous appeler pour dire vraiment, quand on a envie de rire, on écoute tes vidéos. Quand on est là comme ça, et puis on se sent stressé et qu'on a envie de rire, on écoute tes vidéos. Pour eux, ils écoutent ce qu'on prêche là, pour rire. Oh, il y a d'autres qui quittent au Canada, en Russie, aux USA, au Gabon, au Japon, en Philippines. Et la soeur Guadeloupienne avec son petit qui était venu ici. Tous ceux-là quittent ces pays, même la France. Et d'autres sont quittés en Belgique pour être là. Pour venir parce qu'ils ont cru. Et ils ont reconnu que c'est la vérité de Dieu. Amen. Et ils sont là pour prendre leur baptême. Ils ont pris leur baptême. Et d'autres sont là encore pour prendre leur baptême ce matin. Amen. Et toi, ce que tu trouves à dire, c'est que c'est quand tu as envie de rire que tu écoutes. Mais moi, je ne t'en veux pas. Je ne vois pas ça mal. Amen, amen. Amen. Je ne vois pas ça mal. Peut-être que quand tu écoutes pour rire, dans ton rire là, tu veux expliquer à quelqu'un. Lorsque tu lui diras, est-ce qu'il a envie de rire? Dans lui aussi, sa façon de faire. Lorsqu'il aura envie de rire, va donner ça à quelqu'un d'écouter. Dans ça, le véritable Fils de Dieu, pour lequel le démon de rire en toi là, ça va aller de rire en rire jusqu'à ce que ça tombe sur lui. Et lui, il ne va pas rire, il va serrer son visage. Il va dire, Alléluia! Depuis longtemps, on a été trompé. On a été marmaillé. Mais Dieu nous fait grâce aujourd'hui d'entendre la vérité. Amen. C'est ça là, vous appelez rire. Que moi, je ne vois pas ça comme rire. Mais ils sont où même? Je vais aller prendre mon baptême. Alors, levez-vous, dit-il. Levez-vous, dit-il. Sortez de ce lieu. Sortez de ce lieu. L'Éternel va détruire la ville. L'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres. Aux yeux de ses gendres. Il parut plaisanter. Lot, leur beau-père. On doit avoir quand même le respect sacré de son beau-père. Oui. Non seulement il est leur beau-père, mais il est âgé que eux. Oui. Et puis, il est pour la circonstance le représentant de Dieu. Parce que c'est lui qui a reçu la commission des anges de Dieu venu du ciel. Oui. Mais leur réaction, c'était quoi? Il parut plaisanter. Il parut plaisanter. Ils ont ri jusqu'à. Vraiment. Ah, c'est vrai que depuis matin, on était un peu stressé, mais ce que tu viens de dire là, ce que tu viens de dire là nous a permis de quand même éclater quelques souris. Ah, vraiment, ça nous a déstressé. Mais le vieux, faut partir. Faut aller. Il faut partir là-bas. Faut pas venir troubler notre foyer. Alléluia. Amen. Mais est-ce que c'est que l'autre allait leur dire? De la part des anges de Dieu, est-ce que cela n'est pas accompli? Écoutez-moi bien. C'est parce que tout ne peut pas être écrit ici que la Bible a mis plaisantin. C'est pas une histoire de une minute, mais c'est un travail de fond qui a été fait. C'est pas une affaire de deux minutes, trois minutes, mais il a pris le temps pour leur expliquer, parler, parler. Dit que voici des anges de Dieu qui ont été envoyés. Il dit c'est blanc. D'ailleurs, même pour te prouver, d'autres sont venus pour te prouver que tu es un plaisantin. Te garde là même là. On va les homosexualiser. On va les sodomiser. Et est parti aujourd'hui le mot sodomiser. À part la sodomie. Abba. La sodomisation. Abba. À part l'esprit sodomite. Abba. Ce que Dieu a créé là, ça est là. Mais les gens n'aiment pas ce que Dieu a fait de bon, naturel. Ils veulent le créer pour eux. Demain, quand tu as fini cette phase-là, qu'est-ce que tu restes à faire? C'est pour aller chercher un de tes animaux. Parce que même endroit que tu cherches chez ta femme là, c'est ça ton ami garçon aussi a.
Quand tu vas finir là, qu'est-ce que tu vas aller faire? Parce que c'est comme ça que ça commence. Un enfant, garçon qui naît, puis on met pompon sur sa tête. Et puis, on attache sa tête avec ruban, et puis il commence à faire comme ça. Voyez très tôt d'enlever pompon là sous sa tête. On ne met pas pompon sur tête de garçon. On n'attache pas tête de garçon avec un truc pour mettre à gauche. C'est pour faire quoi? Et puis vous lui portez des robes, camisoles de femme, c'est pourquoi? Et on porte le collant au petit garçon. Arrêtez ça! Parce que comme ça, ça commence. Éduque l'enfant selon la voie du Seigneur afin que lorsqu'il va grandir, il ne s'en détourne pas. La voie du Seigneur là, c'est ça qui te demande de mettre pompon sur tête de garçon. De porter collant à ton garçon. C'est pourquoi? Tout ce que vous voyez dans la club des petits, vous voulez faire ça. Ton enfant là, c'est un dessin animé. C'est bien. Demain, il ne faut pas te plaindre parce que de dessin animé là aussi, là, on ne se plaint pas de lui. Hein. Oui, frère. Alors, l'autre est plané, plaisanté à leurs yeux. Ils se sont moqués de lui, c'est un comédien. Ah, ce qu'il disait était la vérité. Et ils ont dit, on va même courber tes envoyés, tes visiteurs qui sont là. Ça veut dire que leur affaire là était arrivée loin. Mais qu'est-ce que les habitants de Sodome et Gomorrhe avaient en eux? Et qu'est-ce que les anges de Dieu avaient dit de mal? Qu'est-ce que l'autre avait dit de plaisant? Pour qu'on se moque de lui. Qu'est-ce que ces anges de Dieu avaient dit de mauvais pour qu'on cherche à les courber? La même chose qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'autre a été traité de plaisantin. Ils se sont moqués de lui. Ils n'ont pas cru au témoignage du ciel rendu par l'autre auprès de ces gens. Même les habitants de Sodome et Gomorrhe n'ont pas cru. Ne l'ont pas reconnu, il a paru plaisantin. Et la meilleure façon pour eux d'abdiquer ou de s'incliner, de dire d'accord avec son message, c'est de demander. Ces visiteurs-là, ils vont les attraper pour les courber. Vous voyez ce qu'ils ont demandé? Et ça, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que les anges qui étaient présents là-bas, est-ce que leur présence est plus importante que nous? Alors qu'eux, ils sont revêtus d'une autorité qui n'a jamais évolué dans un corps semblable à le nôtre. N'est-ce pas? Amen. Eux, l'influence là doit être plus que pour nous. Je veux parler humainement par là. Mais on les a traités avec leur commissionnaire même de plaisantins. Matthieu 22 à 23. Voilà. Et les scribes. Et les scribes. Qui étaient descendus de Jérusalem. Qui étaient descendus de Jérusalem. Dit. Il est possédé de Belzébul. Qui est possédé de Belzébul? Jésus. Jésus est quoi? Est possédé de Belzébul. Jésus est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons. C'est par le prince des démons. Qui chasse les démons. Le Seigneur Jésus-Christ. Notre Sauveur, le grand Amashia, le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Ce ne sont pas les païens, ce ne sont pas les féticheurs, ce ne sont pas les devins, ce ne sont pas les braqueurs, ce ne sont pas les sorciers, ce ne sont pas les baillés, ce ne sont pas les charlatans. Mais ce sont les qui? Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem. Dis. Encore dit scribes, ça veut dire quoi? Les érudits de la loi, pas la loi seulement, mais des écritures. Les érudits des écritures. Ceux qui sont censés maîtriser toutes les écritures. Ce sont eux qui ont vu au-dessus de la doctrine et des signes que le Seigneur accomplissait. N'ont eu d'autre choix, d'autre alternative que de tirer une conclusion qui est que Jésus était démon. Ce ne sont pas des païens. Mais l'esprit qui était descendu de Jérusalem dit il est possédé de Belzébul. Il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qui chasse. C'est par le prince, le chef des démons, qu'il fait quoi? Qu'il chasse les démons. Vous imaginez, un temps soit peu le courage qui les a animés à dire ça. Quand les gens insultent Gédéon, quand ils parlent mal du message que Gédéon prêche, vous êtes choqués, vous êtes abattus, vous êtes attristés. Bien au contraire, vous devez vous réjouir de ce que le monde nous hait, de ce que le monde nous conteste, de ce que le monde nous méprise, de ce que le monde nous rejette. Alléluia! Parce que le Seigneur lui-même n'a pas été épargné. Pourquoi est-ce que nous sommes surpris?
Ils ont regardé le Seigneur. Ils l'ont vu prêcher, travailler, chasser les démons. Et ils ont coupé court. Que c'est un démon. C'est le prince, le plus meilleur enfant de Satan qui lui fait ça là. Oui, frère. Il est possédé de Belzébuth. Il est possédé de Belzébuth. C'est par le prince des démons. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les a appelés et l'a dit. Oui. Sous forme de parabole. Sous forme de parabole. Comment Satan peut chasser Satan? Alléluia. Non, je dis qu'on connaît la vérité, mais il cite la vérité autrement. Maintenant, toi qui connais la vérité et qui la cite droitement, hein? Tu attends quoi pour venir prouver ce qu'il fait là? Démontrer qu'il est dans le faux. Non, il connaît la vérité. Mais il cite les écritures selon que lui veut. Il prend les versets qui l'arrangent. Mais toi, les versets qui t'arrangent et qui vont détruire ce que je fais là. Faut envoyer ça. Et toi-même, tu vas voir. Alléluia. Il y a un drogué là qui hier me combattait à lui faire que écrit sur le bâtiment. Parce que jusque-là, nous n'avons pas écrit sur notre temple. Hein. Ici, on n'a rien écrit encore. Les autres assemblées, oui. C'est dans le centre missionnaire, bien on va écrire. Mais, qu'écrit sur le mur, les lieux de prière, diable, Satan, Antéchrist, Marc de la Bête. J'ai vu ce drogué, cet ivrogne-là, dire maintenant que lui n'a rien contre le fait d'écrire sur le mur, mais c'est la doctrine qui est prêchée là-bas. C'est la foi qui est le problème. Que Dieu te maudisse encore. Amen, amen. Que Dieu te maudisse encore. N'oublie pas les raisons que tu avais évoquées lorsque la drogue t'avait pris le cerveau. Ce document-là, reprends-le, lis-le encore. Tu verras que tu as dit là-bas que écrit sur un lieu de prière est maudit. Que Dieu te maudisse. Parce que tu dis ce que j'ai dit toujours. Et tu m'avais combattu. Maintenant, toutes les raisons évoquées ont été détruites. Aujourd'hui, c'est afin de, comme un homme de Dieu peut dire, il peut goûter femme avant de la marier. Je dis, avant de célébrer le mariage, il faut d'abord le mariage. Amen. Que le mariage soit honoré de tous. Donc il y a mariage d'abord avant de parler de l'honorer. Or le mariage, c'est l'acte sexuel qui se passe entre l'homme et la femme. Amen. Donc l'acte sexuel doit précéder la cérémonie de ce acte-là qui est appelé mariage. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, toi, fils du diable, enfant de malédiction, amen. Si la femme que tu as, toi, pasteur du diable, puissance de malédiction, si la femme que tu as, tu n'es pas allé la doter, tu n'es pas allé la mairie avec elle, vous n'avez pas fait la célébration à l'église, dans votre lieu de prière, tu n'es pas allé payer sa dot dans les mains de ses parents, faire quoi, avant d'aller coucher avec elle, mais que tu as brisé toutes ces étapes-là, tu as couché d'abord avec elle, et plus tard, tu as cherché à connaître ses parents, que votre union la soit maudite. Que tous les enfants qui naissent de votre union, ces petits plus gourmets en taille d'escalier, qu'ils soient tous maudits. Jusqu'à ce que tu t'es repenti publiquement en disant que c'est mauvais d'aller avec la femme avant d'aller voir ses parents. Car c'est ce que j'ai fait. Et pour ça, je combats Gédéon. Mais moi qui ai dit la chose, qu'on doit d'abord aller avec la femme, c'est après qu'on s'est convenu, tout est propre, qu'on doit aller voir les parents et aller finaliser ça. Devant les autorités, finaliser votre alliance. Devant les autorités chrétiennes ou civiles. Et toi, tu n'es pas d'accord avec moi. Mais toi, tu as fait ça. Et puis tu me condamnes. Entre nous de là, qui est plus maudit? Que tous vos enfants qui naissent de cette union-là soient maudits. Si toi-même tu ne te répands pas et tu continues de sortir avec cette femme, que Dieu vous frappe de malédiction. Voici comment ça doit être. Mais moi je continue de dire que d'abord l'acte et vient la cérémonie. C'est ce que je dis. Alléluia. Alors, revenons à nos beaux états.
a lu ça, non? Amen. Donc Jésus a été traité de prince des démons. Il a été traité de plus beau du bagneau des démons. Et que c'est par le pouvoir de Satan qu'il chassait les démons. Et le Seigneur pose la question. Est-ce comment que Satan peut-il chasser Satan? Ah! Vous aussi. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais c'est le Seigneur lui-même qui pose la question. Quelqu'un qui est dans le faux, qui n'a pas de la vérité, et qui jusque-là est là, et vous avez peur de venir là où il est. Prenez courage. N'ayez pas peur, vous. C'est le mot débat organisé qui vous fatigue. Quand tu vas entendre que je suis en train d'évangéliser là, il faut me surprendre. Quand tu vas quitter là, tu vas réfléchir fort avant de parler de moi prochainement. Alléluia. Amen. Lisons le verset suivant. Jean chapitre 7, verset 10 à 13. Jean 7, 10 à 13. Écoutez bien ce passage. Lorsque ses frères furent montés à la fête. Lorsque ses frères, les frères de qui? Jésus. Lorsque ses frères furent montés à la fête. Il monta aussi lui-même. Il y monta aussi lui-même. Non plus de mort, mais comme en secret. Jésus n'est pas allé là-bas publiquement, mais il est là en secret. Les juifs le cherchaient pendant la fête et disaient. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque ses frères furent montés à la fête. Lorsque ses frères furent montés à la fête, Jésus est parti aussi lui-même avec eux. Non publiquement. Écoutez bien la partie là. Aux frères qui sont attristés souvent quand on insulte Gédéon, quand on insulte la révolution chrétienne, quand on nous traite de tous les noms. Mais vous voulez que le monde vous acclame? Mais si le monde nous acclame, c'est que nous ne sommes pas des vrais. Oh, la vérité que nous sommes doit être un objet qu'on va lire tout à l'heure. Vas-y frère, oui le blanc. Les disciples le cherchaient pendant la fête et disaient. Où est-il? Qu'est-ce qu'il y avait à son sujet? Petite rumeur. Grande rumeur à son sujet. Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient. Ils disent quoi? C'est un homme de. Il y a un groupe qui disait que c'était un homme de bien. D'autres disaient. Ils disent quoi? Ils disent que le Seigneur est gars. Bon, qu'est-ce que Jésus prêchait pour que cela ait tiré une telle conclusion? Je veux que nous soyons raisonnables en nous-mêmes et qu'on soit objectif. Les idées de se voir toujours comme des victimes, on doit quitter dedans. Parce que celui de qui nous parlons là, c'est Jésus. Mais le Seigneur Jésus-Christ finit de prester. Il finit d'exposer la voie du salut. Et ceux qui étaient là, ce qu'ils ont trouvé à dire comme conclusion, c'est que Jésus égare. Je veux que vous le dites fort. Est-ce qu'il a dit peu de personnes? Non. Mais la multitude. Ce qu'ils ont dit là n'est que l'accomplissement d'une prophétie que le Seigneur a dit. Large est le chemin. Boulevard est le chemin, la voie qui mène à la perdition. Mais petit est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Mais la voie de l'enfer, là, il y a beaucoup qui entrent par là. Donc si eux, ils voient la vérité en face et disent que la vérité égale la multitude, c'est que ce que Jésus a dit est accompli. Pourquoi aujourd'hui, nous on veut que tout le monde soit d'accord avec nous. Et que tout le monde dise que Jésus est vrai. Et que les directs que les gens vont faire, les postes que les gens vont faire, dans leur lieu de prière, ou sur les réseaux sociaux, ils disent que Gédéon est un véritable homme de Dieu. Hein? Vous cherchez quoi? Leur sympathie? Il faut qu'ils nous démontrent qu'ils ne sont pas nés par le ciel. Et la seule façon pour eux de démontrer ça, c'est qu'ils doivent dire que nous sommes des démons. Ils doivent dire ça. Si eux-mêmes ne veulent pas là, Dieu va leur imposer de dire ça. Les gens que Dieu a créés pour aller en enfer, vous ne voulez pas qu'il ait une raison valable. Il faut que quand ils vont arriver au jour là pour aller en enfer, quand eux-mêmes vont voir les dégâts de ce qu'ils ont fait, ils vont dire, ah, nous-mêmes, on n'a rien à dire, ouvrez la porte, on va rentrer. Alléluia. Alors, au suivant. On avait déjà lu ça. Jean chapitre 10, le verset 19 dit quoi? Il lut de nouveau. À cause des paroles de Jésus. Il y a eu quoi parmi les Juifs?
parmi les Juifs. Division parmi les Juifs. Communion parmi les Juifs. Division parmi les Juifs. Cohésion parmi les Juifs. Division parmi les Juifs. Synchronisation parmi les Juifs. Division parmi les Juifs. L'attente parmi les Juifs. Division parmi les Juifs. L'harmonie parmi les Juifs. Division parmi les Juifs. Mais Jésus est appelé prince de paix, non? Celui qui est venu sauver tout le monde après eux. Mais il part et la Bible dit il eut division parmi les Juifs. Division. Non, son message qui prêche la, sème la division dans le pays. Ça sème division dans les foyers. Alors, division parmi les Juifs. Toi, tu pries et puis tes voisins se fâchent. Et puis tu dis, mais quand j'ai pris là, ça les énerve. Tu voulais qu'ils applaudissent. Quand toi, tu as pris de prier. Genre, le démon qui annule à toi, quand tu pries là, il reçoit bénédiction, quoi. Tu es bien. Le gars a porté sa ceinture de sécurité, il a mis bague de protection. Sa cour même dans laquelle tu habites, et puis tu loues là. Tu ne sais pas ce qu'il a fait, il a enterré pour construire une maison là. C'est ça. Toi, tu viens te jouer homme spirituel pour embrouiller les gens. Mm-hmm. Et puis tu ne veux pas qu'il n'a qu'à se plaindre. C'est ça. Et, attends. Arrêtez ça. Quand on prie là, nos voisins se fâchent. Donc tu voulais qu'il. Quand toi tu as pris de prier, il n'a qu'à se mettre à Dieu pour dire Amen, Amen. Restez là. C'est parce qu'il n'a pas encore pris l'eau chaude pour verser sur toi. Le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, celui de qui nous parlons, celui à qui nous appartenons, celui que nous adorons, qui est notre modèle, l'idéal, que nous suivons, dont nous confessons comme foi. La Bible dit, quand il a fini de parler, il y a eu division parmi les Juifs. Pourquoi? Il y a eu division, pourquoi? Plus de temps, un disait. Reprends un peu, il y a une partie là. Il eut de nouveau. Il eut de nouveau. À cause de ses paroles. À cause de ses paroles. De ses injures. Ses paroles. De ses insultes. Ses paroles. Ses paroles. Paroles. Paroles de Jésus. À cause de ces paroles-là, division parmi les Juifs. Plus de temps, un disait. Oui. Un démon. Vous voyez? Attends frère, Jésus finit de parler, la conclusion qu'ils ont trouvée, ce qu'ils ont tiré comme conclusion, il y a un groupe qui venait de dire là-bas qu'il est, il est démon, non? Maintenant, prince est démon, on peut être possédé et puis être lucide. Mais, il est possédé, mais au fur et à mesure qu'il parle, il constate que la possession l'a pris une autre tournure. Au départ, il était possédé d'un démon. Ils ont continué un peu, ils ont dit non, ça c'est le chef des démons même. Hein, c'est pas ce qu'ils ont dit. Amen. Maintenant, la chose a progressé et ça s'est bonifié. C'est devenu pire. Qu'est-ce qui se passe? Plusieurs d'entre eux disaient. Il a un démon. Il a un démon. Il est fou. Ça dit, après des démons là, ça atteint un autre niveau. Il est devenu fou maintenant. Imaginez. Bon, Jésus était comment ce jour-là? Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des Dieux. Comment il était ce jour-là? Vous croyez qu'il a mis la terre, la boue sur son visage? Il mangeait dans la poubelle? Non. Vous croyez que son habit était sale? Non. Vous pensez qu'il délirait? Il raconte des bobards dans la rue? Faux. Mais il parlait sur les choses concernant le royaume des cieux. Amen. Il exposait la voie du salut. Amen. Il expliquait aux gens comment ils doivent faire pour être sauvés. Ils ont écouté ça jusqu'à et leur confession de foi là. Jésus est fou. Parce que pour eux, dans leur entendement des religieux, dans leur conception des choses, dans ce qu'ils disent, on ne doit pas dire ça. Un homme normal, conscient, ne doit pas dire ça, mais c'est un fou qui peut dire ça. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'il est. Oui. Il est un démon. Il est fou. Si Jésus a été traité de fou, vous voulez qu'on soit traité de quoi? De sage. Donc, j'entends, tu es plus mieux que Jésus. Non, quand je parle, tous mes amis là, ils ne veulent pas m'écouter. Toi, tu es qui pour qu'ils écoutent, tous écoutent. À cause des affaires de Dieu, là, maintenant, mes parents, quand je sors, ils ne me servent plus à manger, ils ne me gardent pas. Il ne faut pas trouver une boule d'attaqué. Il faut rester là-bas. Il ne faut pas prier Dieu, va te trouver une situation pour aller chez toi. Même. Reste là. C'est ça. Tu allais dire qu'il fait. Et puis quand vous priez la main, vous provoquez les gens dans vos prières. C'est ça. Seigneur, je sais qu'autour de moi, les gens ne m'aiment pas. Ça ne fait rien, nous ne t'aimons pas. Continue la prière. Fais en sorte que tous ceux qui me détestent soient couverts de honte. Quand tu me bénirais, que le temps de ma gloire va s'élever, qu'ils aient la honte. Hein?
Donc c'est de nous, il parle comme ça. Bon, au moment où tu n'as pas encore vu tant de gloire là, tu ne vas plus manger ici. Seigneur, combat mes ennemis. Alors que tu as dit, c'est lui qui va donner un verre d'eau à boire à l'un de mes plus petits enfants, c'est à moi. Mais on me refuse même de quoi à manger. Mais qui t'a pas donné à manger, tu es chez qui? Donc les ennemis que tu combats là, ce sont ceux qui sont là. Tu veux qu'ils n'ont qu'à faire quoi? Ils n'ont qu'à t'applaudir. Là, tu es un grand homme de Dieu, quoi. Tu es trop chrétien. Et à cause de ça, d'autres, ils sont tristes. Et ils savent à se poser la question, est-ce que je suis enfant de Dieu même? Parce que tu n'as pas mangé, tu te poses la question si tu n'es pas enfant de Dieu. C'est-à-dire que les juifs vont te frapper, ils vont te mettre en prison. Tu vas dire vraiment, est-ce que je ne suis pas Satan lui-même? Parce qu'à faire de manger, ta poussée a dit que tu n'es plus sûr d'être enfant de Dieu. Le jour où ils vont te mettre en prison, ils vont te frapper, couper ton pied ou bien ton bras. Parce que ça va arriver. Hein? Et vous qui êtes là, faites tout pour aller à l'enlèvement. Mais ceux qui vont rater l'enlèvement, à frustration qu'on a affligée à Satan et toutes les religions là, ils vont se venger sur toi. Hein? Vengeance, ils vont faire là. Ce jour-là, d'autres vont chercher la mort avec une torche, mais la mort va les fuir. C'est écrit, on va lire ça. Mais pas aujourd'hui. Ça va chauffer. Et comme on aime le dire en Côte d'Ivoire, ça va chauffetiser. Alors, qu'est-ce qui va se suivre? Plusieurs d'entre eux disaient, il est un démon. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Pourquoi vous l'écoutez? D'autres disaient, ils ne sont pas la parole d'un démoniaque. Voilà. Il y a un petit groupe. Amen, amen. Quand il disait Hérode est renard, quand il dit qu'Hérode est un renard, quand il dit vous n'êtes pas des enfants mais des bâtards, quand il dit race et vipère, que vous avez appris à la cuire à quoi l'avenir, il y a un groupe qui est là qui dit tout ce que tu dis là, c'est pas mauvais. Parce que ceux-là même là, ils sont des vipères vraiment. Vous voyez. Nous, mais on a vu la dernière fois qu'Hérode même, son affaire était trop bizarre, c'est vraiment un renard. Pendant qu'il y a un groupe qui dit que c'est un fou, il y a un autre groupe qui dit, il n'est pas fou. Oui? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. D'un démoniaque. Un démon. Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Ce qu'il dit là, ce n'est pas ça, le démonisme. Il n'est pas un démoniaque, mais c'est un véritable authentique serviteur de Dieu. C'est un vrai moins de Dieu. Et d'ailleurs, c'est le vrai Dieu de Dieu manifesté en chair. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon. Est-ce qu'un démon là peut-il ouvrir les yeux de sa femme? Mais eux, ils disent que le fait qu'il ouvre les yeux des aveugles là, c'est ça qui prouve que c'est un. Les gens disent, mais qu'est-ce que vous reprochez à Gédéon? Non. Il y a un qui a dit ça. Et c'est la semaine passée. Que tout ce qu'il dit, c'est il est écrit. Quelle prédication qui est basée sur les écrits depuis le commencement jusqu'à la fin est un écho où jaillit une opinion sur les gens qui l'écoutent. Que Dieu vous maudisse encore. Regardez bien. Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon. Oh, aussi longtemps que l'évangile est prêché sur la terre des hommes et qu'il y aura des fils de Dieu qui vont croire, l'autre côté aussi il y aura des fils du diable qui ne vont pas croire. Et ceux-là vont prouver, pour justifier leur appartenance à Satan, ils vont rejeter l'évangile. Vous voulez que tout le monde croit? Regardez vous-même ici, là même, là, ne nous contient même plus. Si tout le monde croit, on va faire comment? Attendez, vous avez trouvé un message aussi facile comme ça au monde? Oui, tu as couru, tu as fait baptiser, en même temps tu as la vie éternelle, c'est fini, tu as l'éternité. C'est trop facile. C'est là, si Dieu n'a pas rendu ça bizarre là, vous croyez que lui-même le remplace là-bas? Vous s'amusez, hein? Il a créé ça bizarre, il a fait ça façon. Et nous sommes d'accord du fait que c'est façon. Alors, le verset suivant. Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon. Peut-il ouvrir les yeux de sa femme? Peut-il ouvrir les yeux de sa femme? C'est la question. Et la même question demeure jusqu'à cette heure. Non, il cite trop les Écritures. Mais est-ce que citer trop les Écritures, c'est pas biblique? Vous voulez qu'on cite quoi? Livre d'histoire ou de géographie? Luc chapitre 4, le verset 24, 25 à 29.
Et Matthieu chapitre 7, le verset 17 à 18. Et Matthieu chapitre 12, le verset 32 à 34. On va lire les trois passages. Luc 4. Pour le développement, maintenant, le seul verset qui reste, c'est la confusion. Oui, frère. Luc 4, verset 5 à 29. Luc 4, verset 5 à 29. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Écoutez très bien. Est-ce que c'est que le Seigneur Jésus est en train de dire là, l'histoire là? Est-ce que ce n'est pas écrit dans la loi que les Juifs lisaient matin, midi, soir? Est-ce qu'au temps d'Élie, vraiment, l'histoire que Jésus va relater là, est-ce que ce n'est pas vrai? On va lire, écoutez ensemble. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Il y avait plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie. Du temps d'Élie. Il y avait plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé. Lorsque le ciel fut fermé. 3 mois. 3 mois. Et 6 mois. Et 6 mois. Et il eut une grande famine. Il eut une grande famine. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et cependant. Cependant. Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles. Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles. Si ce n'est une veuve de Sarepta. Si ce n'est une veuve de Sarepta. Est-ce que l'histoire d'Élie avec la veuve de Sarepta n'est pas biblique? Si. Est-ce que ce n'est pas écrit dans les prophètes? Oui. Continuons. Dans le pays de Sidon. Est-ce que l'histoire de la pluie qui a cessé durant 3 ans? Est-ce que ce n'est pas biblique? Non. Est-ce que la pluie qui est venue plus tard après les 3 ans, est-ce que ce n'est pas biblique? Non. Le fait qu'Élie soit allé vers une veuve de Sarepta, est-ce que ce n'est pas biblique? Non. Continue, frère. Et il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël. Oui. Du temps d'Élisée. Du temps d'Élisée. Le prophète. Mm-hmm. Et cependant. Cependant. Aucun d'eux ne fut purifié. Si ce n'est qui? Si ce n'est Naaman le Syrien. Est-ce que l'histoire de Naaman le Syrien n'est pas dans la Bible? Amen. Frère, je ne veux pas que vous loupez ce point-là. Parce que c'est ça qui trompe le plus souvent beaucoup d'entre vous. Oui, frère. Mais il y avait aussi plusieurs lépreux. Alors, je le disais, ne dormez pas, ne loupez pas ce point-là. Vous-même, vous constatez que l'évangile que nous prêchons, il est pur, il est propre, il est prouvé par les Écritures. Et la chose est approuvée par le grand Dieu des cieux. Et il le marque de son sceau par le miracle divin. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y avait aussi plus. Quand les gens écoutent ce que vous dites, tout ça là, jusqu'à les gens vu que tout ce qu'il a dit là, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui prouve que lui-même là, il est vraiment vrai? C'est comme ça les ouvriers du diable font. Non, tout ce qu'il prêche est vrai. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est de la part de notre Seigneur qu'il parle? Que Dieu te maudisse. Comment quelque chose que quelqu'un prêche et tout est la vérité? Et toi, ton inquiétude, c'est de savoir si c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Quand tu lis la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, là, lequel d'entre les envoyés du diable s'est tenu dans l'intégrité de la parole jusqu'à la fin? Comme nous le faisons là. Une sorcière animée par un dragon qui rend un témoignage bidon, qu'un maudit aussi qui prie au nom du Père, Fils et d'Esprit public. Non, il y a une voix qui m'a dit, ne suivez pas Gédéon, mais suivez telle chair, Satan TV. Mais nous, ça fout de ça. Je vous ai dit que votre seul malheur là, c'est que votre Père Satan n'a pas empêché que je naisse. Et que le Dieu qui m'a suscité est plus fort que Satan. Alléluia. Il est trop tard. Si vous voulez couper vos activités, faites campagne de dénigrement. Mais ce matin encore, il y aura d'autres âmes qui vont aller prendre leur baptême d'eau. Parce que Jésus-Christ confirme sa présence dans ce ministère. Amen. Alléluia. Amen. Il y a deux réalités maintenant. Un contre tous. Un seul peuple contre le reste du monde. Soit vous êtes pour la révolution chrétienne, soit vous êtes des démons. Yes. Voici comment nous voyons le monde. Ne sont pas là pour dire, hein? Ce qui presse là, c'est un peu la Bible, mais un peu le... Faux! Soit tu es vérité ou tu es mensonge. Il n'y a pas moitié vérité, moitié maçon. C'est quelle histoire ça? Depuis quand vous avez vu ça? Oui, frère. Mais il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël. Du temps d'Élisée le prophète. Du temps d'Élisée le prophète. Mais aucun d'eux. Aucun d'eux. Ne fut purifié. Si ce n'est. Si ce n'est Naaman le Syrien. Effectivement, Naaman le Syrien, son histoire est biblique. C'est un fait biblique authentique que le Seigneur est en train de réciter. Vas-y encore. Mais ce juif fut rempli de colère. Bon. Dans la synagogue. Attends, frère. Dans tout ce que le Seigneur a cité là, où est ce qui est faux dedans? Où est la partie qui est décalée de l'histoire biblique? Ce que Dieu a fait au temps de leur père qu'eux ils ont en main, ils lisent chaque culte, chaque sabbat. Où est ce que Jésus a dit qui n'est pas vrai? Mais la Bible dit quoi? Mais il fut rempli de colère. À l'écoute des paroles de Jésus là, beaucoup de juifs qui étaient assis là furent remplis de... colère dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent ces choses. Bon.
Ce qu'on vient de lire là, ce sont ces choses-là. Où est le mal qu'il a dit? Où est le mensonge qu'il a dit? Mais le fait qu'il récite textuellement les Écritures, la parole, pour eux, c'est la preuve effarante que c'est un diable qui est là. Donc il faut le tuer. C'est dans ça là, vous voulez que les gens m'acclament? Vous voulez que les gens rendent un bon témoignage de moi? Vous êtes bien. Alléluia. La révolution chrétienne est en train de faire un travail de fond. Alléluia. Aussi longtemps que un des nôtres se tiendra publiquement pour ouvrir la bouche et parler, le monde religieux aura de sérieux problèmes. Et le peu qu'on a mis en ligne là va secouer la terre jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas de l'amusement. Donc le Seigneur finit de parler, les gens sont remplis de colère. Or, tout ce qu'il a dit là est écrit dans la loi et les prophètes qu'eux avaient en main. Ils ont suivi ensemble avec lui. Il cite, il vérifie, c'est ça. Il prend l'histoire de maman. Il voit. Il prend l'histoire de Sarepta. Quand ils ont fini de lire, ils ont regardé dans l'école pastorale. Ils n'étaient pas allés là-bas. Ils ont regardé dans leur moyen séminaire. Ils n'étaient pas allés là-bas. Ils ont regardé dans leur grand séminaire. Ils n'étaient pas allés là-bas. Ils ont regardé dans l'école prophétique. Ils n'étaient pas allés là-bas. Ils ont regardé dans les archives de ceux qu'ils ont formés. Au fil du temps, dans leur âge, dans leur période, son nom n'y était pas. Mais d'où vient-il? Alléluia! Ce n'est pas le fait qu'il prêche la vérité qui les énerve. Mais pourquoi c'est lui qui leur prêche la vérité? C'est ça le problème là. Alors? Mais ils furent tous remplis de colère. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent ces choses. Lorsqu'ils entendirent ces choses que Jésus citait. Et s'étant levé. Ils le chassaient de la ville. Ils ont réclamé leur baptême. Ils le chassaient de la ville. Ils ont fait les offrandes pour lui dire, vraiment, nous reconnaissons ton ministère. Ils le chassaient de la ville. Ils ont acclamé Dieu, loué le Seigneur. Ils le chassaient de la ville. Ils le chassaient de leur ville. Ils disent, et le menèrent. Oh, ils disent qu'ils sont croyants. Ils adorent Dieu. Ils sont représentants du ciel. Ce sont des gens qui vivent pieusement au quartier. Ils ne boivent pas, ils ne fument pas, ils ne cherchent pas femme. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur Jésus-Christ, lors de son ministère, n'avait pas de problème avec les profanes. Mais il a souffert cruellement des mains, des impies qui n'étaient rien d'autre que des religieux. Le païen, le brigand, le drogué, il n'a pas trop de problèmes. Ben lui, il reconnaît qu'il est un faux type. Mais eux disent qu'ils sont bons. Ils disent qu'ils sont bons, ils sont saints. Mais on constate qu'il y a quelqu'un qui ne connaissent même pas, qui ne représente rien du tout, dit des choses qui les supplantent. Pourquoi nous qui nous sanctifions, qui nous abstenons de tout péché, pourquoi la vérité, ce qu'il dit là, ne nous a pas été révélée? Et c'est lui comme ça là qui vient dire ça. Il faut que nous le tuions. Voici tout le problème de la jalousie. Alléluia. Amen. Et la révolution chrétienne par toutes ses campagnes, il n'y a que les païens, les gens qui sont dégoûtés des réalités des religions d'aujourd'hui, qui sont la meilleure partie du public qui vient là. Amen. Parce que c'est la même chose. C'est le même Christ agissant sur la terre de câble, dans un corps noir. Je ne dis pas cependant, je suis Jésus. Hein. Mais je dis que c'est l'Esprit de Christ qui est en moi. Amen. Précision de taille. Ah, je dis, on a dit qu'il est le Jésus noir. À bas les Jésus noirs, les Kokamba, à bas les Jésus baoulés. Depuis que nous l'avons fustigé, les ailes de ce oiseau de malheur ont été brisées. Et il a calmé un peu ses ardeurs. Aussi longtemps que ce ministère se tiendra debout dans la main du Seigneur Jésus-Christ, aucun démon ne lui résistera. Dieu bénisse encore sa parole. Amen. Oui, frère. Alors c'est enlevé. Il est chassé de la ville. C'est bon, frère. Amen. Ce qui est sûr, tout ce qu'il a dit est vrai. Mais jusque-là, nous, on ne sait pas ce qui les a énervés. Alors qu'ils ont ces choses-là dans la main, Bible qu'ils ont là, c'est dans ça c'est écrit. La Torah, les prophètes qu'ils ont là, c'est dans ça c'est écrit, ce qu'il a cité. Et pour eux, c'est une raison pour prouver qu'il faut le tuer. Vous voulez qu'on nous fasse quoi? Les gars, nous dénigrer, ça vous fait mal. C'est-à-dire que le jour où vous allez voir où vont, si cela fait partie de mon destin, ils vont m'attraper, me frapper publiquement, me déshabiller tout nu. C'est que là, vous n'allez plus prier Dieu.
Mais si vous apprenez que Jésus est mort en partant à l'évangélisation, ne reculez pas dans cette foi dans laquelle vous êtes engagé. Parce que c'est la vérité de Dieu de tous les temps qui est là. Mais tout homme ne meurt qu'en son temps. Et moi, je monterai vivant au ciel avec le Seigneur. Et vous tous, mes frères et sœurs. Alors, Matthieu 7, 17 à 18. Matthieu 7, 17 à 18. Tout bon arbre. Tout bon arbre. Porte de bons fruits. Porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre. Écoutez-moi bien. Non, ce qu'il dit est vrai, mais c'est lui-même qui est le problème. Tout ce qu'il prêche est vrai, mais c'est lui-même qui est le problème, le souci, c'est lui-même. Comment ça? Comment moi-même je peux être le problème? Le Seigneur était confronté à cette réalité. Que ce que dit cet homme est vrai. Il fait des miracles, il ouvre la suite des aveugles. Lorsqu'on l'écoute, jamais pareil homme n'apparaît comme lui. Mais c'est pas un homme venu de Dieu, c'est un maudit. C'est un fou, c'est un démon. On lit aussi dans l'histoire du peuple saint, ce que Dieu a envoyé là, jamais un fou n'a agi comme lui. Un fou n'a prêché ce qu'il prêche. Un démon n'a fait ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qui se passe? Tout bon arbre. Tout bon arbre. Porte de bons fruits. Porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre. Mais le mauvais arbre là. Porte de mauvais fruits. Le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre. Un bon arbre. Ne peut porter de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Mauvais fruits. Ni un mauvais arbre. Ni un mauvais arbre. Porter de bons fruits. Ne peut porter de bons fruits. C'est impossible. Soit Gédéon est faux et tout ce qu'il dit est faux. Soit Gédéon est vrai et tout ce qu'il dit est vrai. Soit Gédéon est faux et c'est un envoyé du diable. Soit Gédéon est vrai et c'est un envoyé de Dieu. Voici ce qui est juste. Alors, Matthieu 12. Matthieu 12, 32 à 34. Vas-y, professeur. Quiconque parlera. Quiconque parlera. Contre le Fils de l'homme. Contre le Fils de l'homme. Il lui sera pardonné. Il lui sera pardonné. Mais quiconque. Parlera. Parlera. Contre le Saint-Esprit. Contre le Saint-Esprit. Il ne lui sera pas pardonné. Il ne lui sera jamais pardonné. Ni dans ce siècle. Ni dans ce siècle. Ni dans le siècle à venir. Ensuite. Où dites-vous que. L'arbre est bon. L'arbre est bon. Et que son fruit est bon. Voici ce qui est cohérent et logique. Voici ce qui est biblique. Voici. Le pourquoi nous fondons avec détermination de façon obstinatoire notre position en tant que révolutionnaire, en tant que théocrate, en tant que christocrate, en tant que chrétien combattant de la révolution chrétienne. Amen. Alléluia. Amen. Soit c'est ça, ou bien c'est pas ça. D'où vient que les gens viennent nous tourner des trucs bizarres. Alors, Où dites-vous que l'arbre est bon. L'arbre est bon. Et que son fruit est bon. Et que son fruit est bon. Où dites-vous que l'arbre est mauvais. L'arbre est mauvais. Et que son fruit est mauvais. Voici qui est juste. Amen. Quand on connaît l'arbre par le fruit. Voilà. D'où vient que vous, ce pasteur religieux, prédicateur de Satan, vous vous cachez pour sucer mes prédications. Vous vous cachez pour écouter mes prédications. Et publiquement vous dites que Jésus est un diable. Aussi longtemps que tu vas écouter ce que je dis, ne serait-ce que répéter une seule phrase, en secret ou en public, que Dieu te maudisse. En me traitant habitude de Satan. Maintenant, si tu reconnais que ce que je prêche est vrai, bien-aimé de Dieu, viens prendre ton baptême. Viens prendre ton baptême pour adorer le Dieu véritable et la vie éternelle, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous disons qu'en Dieu de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est bon frère, il est traité de race de tellement ça chauffe au cœur. Quand c'est comme ça, par exemple, tu as démontré les écritures. Les gens ont vu que tout ce que tu as dit est vrai. Au commencement, ils demandent, mais ce que tu dis là, où tu as eu ça? Il dit, ça est dans la Bible. Si tu, c'est dans quelle Bible c'est écrit? Quand tu montres maintenant où c'est écrit, est-ce que tu as compris? Quand tu expliques propre maintenant d'autres passages, oui, ce que tu as dit là, c'est vrai, mais est-ce que toi-même, tu es vrai? Voilà. Voilà comment il raisonne.
Oui. C'est bon. Ok, on prend le dernier bombardement maintenant, c'est fini. Donc Jean chapitre 6, Jean 60 à 69, Luc. Mais d'abord acte 17, le verset 1 à 6, et Luc chapitre 2, le verset 27 à 34, n'est-ce pas? On va lire les trois passages. Maintenant. Jean 6, 60 à 69. Il est écrit. Plusieurs de ses disciples. Plusieurs de ses disciples. Après l'avoir entendu dire. Après l'avoir entendu dire. Cette parole est dure. Cette parole est consolatrice. Cette parole est dure. Cette parole est salvatrice. Cette parole est dure. Frère, quand on dit que tu m'as parlé de façon dure, ça veut dire quoi? Comme on le dit en Côte d'Ivoire, tu m'as parlé de façon barbière. Allez, tu vas montrer que tu es maudit que moi. C'est pas ça? Là, tu penses que tu es barbière que moi. Je ne sais pas pourquoi on fait ce genre de concurrence. Mais c'est ça le nous sur le langage africain. Et ivoirien plutôt. Oui, frère. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire. Cette parole est dure. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Est-ce qu'il a dit plusieurs de païens? Plusieurs. Est-ce qu'il a dit plusieurs de ses ennemis? Non. Plusieurs de ses disciples. Est-ce qu'il a dit plusieurs de ses détracteurs? Non. Plusieurs de ses disciples. Après l'avoir entendu. Après l'avoir entendu dire. Cette parole est dure. Donc ce sont des gens qui croyaient tant peu soit peu à lui. Comme cette sorcière qui dit j'ai écouté Gédéon, je le suivais. Mais une voix m'a dit, il ne faut plus suivre Gédéon. On s'en fout de toi. S'en fout. C'est parce que toi tu as dit que tu ne suis plus Gédéon qu'on est informé. Depuis même tu nous suis là, ça a changé quoi? Tu es une sorcière comme ça. Découragé. Tu n'es pas encore découragé. Toi tu es plus. Oui frère. Cette parole est dure. Cette parole est dure. Donc, tu as entendu une voix, c'est pas mauvais. Voici d'autres aussi qui ont entendu la voix. Mais la voix de qui? La voix du Seigneur Jésus-Christ. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Et ils ont commencé à exhorter les autres à ne pas écouter Jésus. Ils ont commencé à dire aux autres, ne l'écoutez pas. Ils parlent mal. Ces paroles sont dures. Quand il y a une voix qui m'a dit de ne pas l'écouter, de ne pas le suivre. Vous aussi, faites-en autant. Alléluia. Amen. Vas-y. Mais Jésus. Sachant lui-même. Que ses disciples murmuraient à ce sujet, m'a dit. Ah. Cela vous scandalise-t-il? Vous voyez? Il pose la question à ses disciples pour leur demander si ce qui est arrivé là les César. Cela vous scandalise-t-il? Il leur demande si c'est les César. Donc il a fait à souhait pour voir si ce qui allait le faire. Et son souhait c'était que ça allait. Et ceux qui détenaient pour être scandalisés ont été. Et quand ils furent scandalisés, celui qui les a scandalisés était content. On va voir la suite. Et Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Et si vous voyez le Fils de l'homme. C'est petit ça d'abord. Montez. Où il était auparavant. Hein? C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites. Les paroles que je vous ai dites. Sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous. Il y en a parmi vous. Quelques-uns qui ne croient plus. Qui ne croit plus? Qui ne croit plus? Qui ont arrêté de croire? Qui ne croit plus? Ils étaient là depuis le soir comme ça. Oh, oh, Jésus est merveilleux. Jésus faisait des pains. Bon boulanger. Ils ont mangé jusqu'à arriver à cet moment. Ils ont dit, ah! Nous, c'était à quoi de pain? On dabassait là quand on était là. Mais là où tu t'en vas là, il a demandé de manger son corps et de boire son. Mais est-ce que c'était ça, il lui a donné vraiment à manger physiquement? Pourquoi il avait fait ça? Parce qu'il y a des gens qui étaient là, qui l'énervaient. Des citoyens de l'enfer qui le suivaient en masse. Il y a des crabes, des criquets sur mes directs. Donc il faut que Dieu les chasse. Tu n'as rien fait encore. Alors, que fait-il? Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient plus. Depuis que vous êtes venus là, vous n'avez jamais cru, mais quand même ils étaient là. Oui? Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrera. Raison pour laquelle nous disons que Judas n'a pas trahi le Seigneur Jésus. Judas n'a pas trahi Jésus. Il a accompli sa part de contrat pour laquelle Jésus l'a recruté. Amen. Jésus devait être mis à mort. Or, il n'est pas juste que le Saint de Dieu soit livré par une de ses semences. Donc, il faut louer un mercenaire. Donc. Amen.
qui sont nés pour aller en enfer, pour que cela habite et parte pleinement en enfer, il faut qu'ils confessent des choses horribles contre la vérité qu'on prêche. Pour que l'enfer soit habité. Vous voulez que les gens croient tous. Maintenant, l'enfer dont on parle, qui va aller là-bas? Vous aussi. Amen, amen. Amen. Vas-y, frère. Mais il en est parmi vous quelques-uns. Il en est parmi vous quelques-uns qui ne croyaient point. Jésus savait dès le commencement. Jésus savait dès le commencement. Qui étaient ceux qui ne croyaient point? Qui étaient ceux qui ne croyaient point? Qui était celui qui le livrait? Qui était celui qui le livrait là? Et il ajouta. Il ne s'est pas arrêté là, il ajouta. C'est pourquoi je vous ai dit. Je vous ai dit quoi? Que nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi. Si cela ne lui a été donné. Et si nous parlons un peu de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Père n'était pas au ciel. Le Père n'était pas ailleurs, mais le Père était voilé dans cette enveloppe qui était Jésus. Amen. C'est quoi il a dit, nous ne viens au Père. Amen. Nous ne viens, il n'a pas dit nous ne va, mais nous ne viens. Dieu bénisse encore le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes sereins et nous partons sereinement dans notre destinée finale. Amen. Et c'est l'éternité, notre chute. Amen. Vas-y. C'est pourquoi je vous ai dit oui? Que nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi. Si cela ne lui a été donné par le Père. Ah, donc, le fait de croire encore là, c'est Dieu qui donne la capacité de croire. C'est ça. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, c'est Dieu aussi qui a fait ça. C'est ça. Nous disons merci au Seigneur. Amen. Quand on voit les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, et puis ça attriste d'autres. Ils nous insultent et puis d'autres frères et soeurs sont abattus. Ça veut dire que vous-même, vous commencez à être incrédule. C'est ça. Hein? Nous devons nous réjouir si les gens nous persécutent et nous combattent. Parce que la persécution est le mystère de la multiplication. Amen. C'est à force de parler de Satan aujourd'hui dans les religions que Satan est devenu superstar. Sinon, si on l'ignore là, il ne représente en réalité rien. Amen, amen. Amen. Je dis on par ci, je dis on par là. Révolution chrétienne, aujourd'hui, il y a un frère même qui est opérateur économique qui est assis là avec son enfant. La première vidéo qu'il a vue, c'est qu'on va corriger Gédéon. On va corriger Gédéon. On va corriger Gédéon. Le frère dit, mais c'est qui ce Gédéon qu'on corrige chaque jour là? Amen, amen, amen. Nous là, nous ne disons pas nous le nom du diable. Dans nos prêches là, les représentants de Satan dont il est question là, nous ne les parlons, nous ne citons pas leurs noms. Mais nous prenons les écritures pour détruire leurs yeux. On détruit leurs doctrines. Et c'est ça qui leur fait très mal. Gédéon, il faut dire mon nom. Mais on va dire ton nom pourquoi? Le seul nom que nous connaissons, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce nom-là nous suffit. On n'a pas le nom de prononcer, on n'a pas le temps de prononcer le nom d'un voyou. À part les pasteurs sorciers. Les pasteurs traduits praticiens. Les pasteurs rosicruciens. Les pasteurs francs-maçons. Comment un homme qui se dit homme de Dieu peut parrainer les fidèles dans les loges maçonniques, dans les loges illuminatiques? Quand on vous dit que ceux-là sont maudits, d'autres ne croient pas. Voilà un frère qui allait jusqu'à aller vendre son âme, donner son sang, tout cela pour faire des rituels. Et ce sont les pasteurs qui lui donnent des poulets à piler, tout cela. Et la maison du frère était prise par une puanteur pas possible. Dieu merci aujourd'hui. Amen. Par la puissance de Dieu, ce frère a retrouvé son état d'esprit. Amen. Amen. Non, c'est... Non. Et vous attaquez tout le monde. Nous n'attaquons pas tout le monde. Nous attaquons tout ce qui n'est pas biblique. Mais que les gens racontent au nom de Jésus. Alors, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi. Si cela ne lui a été donné par le Père. Si cela ne lui a été donné par le Père. Et dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ça dit, quand il a dit, le fait que vous allez croire en moi-même là, c'est mon Père qui va vous donner le pouvoir de croire. Ça, est-ce que c'est mauvais? Non, entre nous. Si on dit que si toi tu vas croire là, c'est Dieu qui va te faire grâce pour croire. Où est le mal là? Mais la Bible dit, quand Jésus a dit ça là, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Ils ne partaient plus à l'église, ils ne suivaient plus même ses pages. On s'en fout de vous. Amen. Voilà ça ici. Qu'est-ce qu'il avait dit de mal? Nous, on attend que les gens viennent publiquement pour nous montrer qu'on a prêché ça. Voici le contraire dans la Bible. C'est tout ce qu'on veut attendre. Et les autres, que tu nous suis ou pas, nous s'en fout, c'est toi, mais tu sais que tu nous suis. Tu représentes quoi même? C'est ça. Si c'est le nombre de ceux qui suivent et qui racontent chaque jour, quand ils viennent là, ce qu'ils les passent, l'enfer. Si nous, on est dans cet esprit-là,
Mais on va filmer ça chaque jour pour publier. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Amen. Notre combat n'est pas contre les hommes, mais c'est contre les doctrines. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vas-y, dès frère. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils se retirèrent. Il n'allait plus avec lui. Jésus était un faux, ils ont arrêté de partir avec lui. Jésus donc dit à 12. Des gens qui ont regardé Jésus et qui ont arrêté de le suivre. Ils ont marché avec le grand Dieu des cieux. Ils l'ont écouté jusqu'à puis ils ont vu que c'est un faux. Ils ont arrêté de le suivre. Est-ce que vous imaginez un peu même? Non, mettez-vous à ma place pour mieux comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Ça veut dire, j'ai écouté le créateur des cieux et de la terre. Celui de qui nous parlons. Lui qui a le pouvoir de changer toutes choses à tout moment comme bon lui semble. Amen, amen. Ils l'ont écouté jusqu'à... Et puis ils ont dit que c'est un menteur qui est là. Il faut qu'on arrête d'aller avec lui. Ils ont arrêté de prier dans l'assemblée de Jésus. Vous voulez qu'on dise quoi? Arrêtez ça là. Arrêtez de pleurnicher. Oui? Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Hein? Et n'allaient plus avec lui. Vas-y. Jésus donc dit aux douze. Parce qu'il y a encore un problème. Il y a beaucoup qui doivent chasser. Il y a assez de faux types d'hypocrites, de marmailleurs, de malhonnêtes, de lesbiennes. Et d'adultère encore qui doit gêner encore et chasser. Qu'est-ce qu'il fait? Jésus l'a dit, il dit aux douze. Et vous là? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Non, toi tu prêches là, ton souhait c'est que les gens ne te supplient plus. Tu veux que les gens te supplient, qu'ils s'en aillent. Et tu prêches pourquoi alors? Réaction. Mais Simon Pierre lui répondit. Seigneur. À qui irions-nous? Regardez sur une multitude de ceux qui suivaient Jésus. Combien on parlait de cette façon ce jour-là? Une multitude de disciples qui le suivaient en une quantité incantitative. Qui le suivaient. Combien ont eu la révélation de parler de cette façon profonde, sincère, avec révélation ce jour-là? Un seul a parlé. Simon Pierre lui répondit. Seigneur, à qui irions-nous? Oh, Simon Pierre est âgé, humainement parlant, que Jésus. C'était le doyen du groupe. C'est ça. Donc il dit aux douze, oh, 90% de ses disciples, ou bien 99% de ses disciples sont partis. Il ne reste qu'un seul pourcent. Dans 1% encore, il trouve que c'est trop. Qu'il y a un suspect. Il y a quoi un suspect dedans? Ça peut dire suspect. Ok. Vas-y frère. Et vous? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Vous ne voulez pas vous en aller? Simon Pierre lui répondit. Vous les douze, vous ne voulez pas vous en aller? Simon Pierre lui répondit. Seigneur. À qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Hey. Et nous avons cru. Nous avons cru. Et nous avons connu. Alléluia. Nous avons cru. Nous avons cru. Et nous avons connu. Et nous avons connu que tu es le Dieu Christ, véritable. Le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu. Alléluia. Jésus lui a répondu. N'est-ce pas moi? C'est Blanc. Qui vous a choisi? Quand tu dis nous là, mon petit, pour parler de ton cas, pareil, dans votre groupe là, il y a un suspect. Faut pas parler comme ça, petit. Ce que tu as dit, c'est vrai. Mais faut pas généraliser. Tu sais pas qui est qui ici là. Il y a un suspect ici encore. Le père de la marmaille. Il est encore là. Il y a beaucoup qui sont là. Dans l'affaire de Jésus aujourd'hui à cause de l'argent. Pour voler, ils ont vu les fidèles comme un fonds de production, un fonds lucratif. Les fidèles sont devenus leur source de revenus mensuels, semestriels, hebdomadaires, bi-hebdomadaires, qu'il faut depuis exploiter pour avoir de quoi manger. À bas les pasteurs mendiants. À bas. Oui, frère. Jésus leur répondit, N'est-ce pas moi qui vous a choisi, vous les douze. Vous les douze. Et l'un de vous. L'un de vous. Est un démon. Amen. Est-ce que ce qu'il a dit là, est-ce que c'est pas frustrant? Non, quand il a parlé là, ça m'a frustré. C'était pas en secret, c'était devant tout le monde. La Bible n'a pas dit que quand Jésus s'est mis à l'écart avec ses disciples, faux. Mais c'est là où tout le monde est parti là. Le peu qui est resté là, quoi, il a attaqué dedans. Il n'est pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous était un démon. Il n'a pas dit l'un de vous est possédé, mais il dit il est un démon. Il parlait de Judas Iscariot. Est-ce que ça ne pouvait pas se frustrer? Et toi, Judas, là, tu es un démon. Fils de Simon. Précision de temps, on va jusqu'à impliquer le nom de son père dedans. Est-ce que ce n'est pas frustrant? Ça pourrait l'offusquer? Ça pourrait l'offusquer? Ça pourrait le blesser? Ça pourrait le décourager? Mais Jésus, ce n'est pas son problème.
Parce que chaque chose doit être dit par son nom. Alors, Acte 17, 1 à 6. Maintenant, arrivez aux apôtres maintenant. Paul et Silas. Paul et Silas. Passé par Amphipolis. Paul et Silas. Saint Paul a dit que, Saint Paul a dit que, Saint Paul a dit. Oh là là, c'est bien. Saint Paul, tu as parlé. On va écouter ce que Saint Paul lui arrivait. Oui. Paul et Silas. On va écouter ce qui est arrivé à Saint Paul. Passé par Amphipolis. Paul et Silas se parlaient par. Passé par. Amphipolis. Oui. Et Apollonie. Et Apollonie. Et ils arrivaient à Thessalonique. Regardez bien ce qui va se passer. Quand ils sont arrivés à Thessalonique, c'est tellement bizarre. Des hommes de Dieu, moins de l'Esprit de Dieu, qui prêchent la repentance, le Christ ressuscité d'entre les morts, pour leur donner le salut. Regardez ce qui va se passer. Où les Juifs? Où les Juifs? Avant une synagogue. Est-ce qu'il est dit dans une loge de féticheurs? Non. Hein? Non. Est-ce qu'il est dit dans une secte? Non. Et puis, ce ne sont pas les païens qui avaient synagogue, hein? Mais ceux de qui Jésus, selon la promesse, est issu. Les Juifs avaient une synagogue. Les Juifs avaient une synagogue. Donc ceux même à qui étaient destinés les promesses, les prophéties concernant Jésus là, ils avaient un endroit de prière. Le Messie qu'ils attendaient durant des années est venu. Donc il y a un d'entre eux qui a compris, qui est venu leur donner l'information que notre Messie qu'on attendait là, celui de qui Moïse a parlé, est venu. On va voir ce qui va se passer. Paul y entra. Coup de poing qui va sortir dans ça là. Oui. Paul y entra. Paul y entra. Selon sa coutume. Quand on dit coutume, ça veut dire que c'est sa tradition, sa civilisation, sa manière de faire, son comportement, son habitude. Oui. Selon sa coutume. Selon sa coutume. Pendant trois sabbats. Pendant trois sabbats. Il discuta avec eux d'après les écritures. D'après quoi? D'après les écritures. D'après quoi? La seule chose qui est la priorité des véritables prédestinés de Dieu, des véritables semences de Dieu, c'est la parole. C'est ça. Si on écarte ça, on est mort. Et c'est au nom de l'écriture que la soi-disant de délivrance que ce pasteur maudit l'a fait avec ce petit drogué là, je dis que cela est du diable. Et c'est lui qui cite le nom des gens. Et tel, est-ce qu'il est serviteur de Dieu? Est-ce que tel est serviteur de Dieu? Est-ce que tel est serviteur de Dieu? Donc c'est toi qui dois citer ceux que le diable doit qualifier ou ne pas qualifier. Comme si Jésus, quand il a attrapé le fou là, et que le démon parlait, lui a demandé, est-ce que Rode est un serviteur de Dieu? Est-ce que Simon le Tétraque est serviteur de Dieu? Est-ce que... Ce sont des esprits de magouille. Ce sont des petits rebelles à leur paternité spirituelle. Si tu veux quitter un prédicateur, et que tu es convaincu que ce qu'il prêche n'est pas vrai, il faut exposer ce qu'il a prêché qui n'est pas juste. Que de monter un coup pour salir des gens inutilement. Moi, je ne les soutiens pas en tant que ministre, mais je les soutiens en tant que personne. Parce que là, ce qu'il a fait est très mauvais. C'est très méchant comme action. C'est ça qu'on appelle même là, atteinte à l'honorabilité, à l'intégrité d'une personne. Donc lui aussi, longtemps que ça va lui passer, après il va citer le nom des gens. Pour dire que, est-ce que lui est serviteur de Satan? Et si ce petit drogué-là n'a pas dit que lui est le serviteur de Dieu, il n'est pas serviteur de Dieu. Et arrivé ici, toi, vrai serviteur, vrai serviteur, vrai serviteur, vrai serviteur, vrai serviteur de qui? Le seul qui a publié la photo là, quand il a vu même son aspect, même ressemble à quelque chose de mauvais comme ça même. Ça dit, le visage de cette fille-là, qui a publié la vidéo sur sa page-là, son visage, allez ici son profil, son visage ressemble à quelque chose de mauvais vraiment. Un visage monstrueux, cruel. Elle est méchante. Et c'est Dieu, les servants de Dieu, moi je ne m'amuse pas, je ne passe pas quatre chemins. Toi tu es sûr que tu es sur un chemin même d'abord. Témoin, tu es en pantalon, c'est toi qui vas raconter ta vie aux gens. À part les prophétés de Satan. Oui, frère. Paul discuta avec eux. Paul discuta avec eux. D'après les Écritures. D'après les Écritures. Expliquant et établissant. Écoutez bien la nature, la nature, la qualité, l'esprit de la prédication de Paul. Paul discuta avec eux. D'après les Écritures. D'après quoi? Les Écritures. D'après quoi? Les Écritures. Donc c'est le principe selon lequel il est écrit. Ouh. Il est écrit. Ouh. C'est ça qu'il faisait avec eux. Il discutait avec eux selon les Écritures
expliquant. Expliquant. Et établissant. Établissant par les Écritures. Que le Christ devait souffrir. Que le Christ devait souffrir. Et ressusciter des morts. Ressusciter des morts. Et ce Jésus. Oui, frère. Et ce Jésus que je vous annonce. Et ce Jésus que je vous annonce. Disait-il. Disait-il. C'est lui qui est le Christ. C'est lui qui est le Christ. Que vous attendez là pour le rétablissement, la restauration, tant du royaume d'Israël. Celui dont Moïse a parlé. Ce sont ceux-là que Paul a cité. Et que fut-il? Quelques-uns d'entre eux. Quelques-uns d'entre eux. Furent persuadés. Furent persuadés. Et se joignit à Paul et à Silas. Il se joignit à Paul et à Silas. Ainsi que grande multitude de Grecs. Oui. Craignant Dieu. Donc les Grecs qui ont cru étaient beaucoup que les religieux qui étaient là. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez bien? Vas-y. Et beaucoup de femmes de qualité. Beaucoup de femmes de qualité. Mais les juifs. Des femmes de distinction. Des femmes de haut rang. Il y a des orgueilleuses qui viennent nous faire chantage ici. Comme si nous étions des Somaliens en état de détresse profonde. Après une guerre civile qui vient de frapper l'état d'urgence. Dieu bénisse encore son peuple. Amen. Vas-y frère. Et les juifs. Les juifs. Ça nous prie avec eux. Hein? Mais les juifs. Quand Paul a prêché, beaucoup ont cru parmi les Grecs et quelques Juifs dans le synagogue. Maintenant, les Juifs. Oh, ce que Paul a dit là, est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que ce que Paul a prêché n'est pas vrai? Amen. Maintenant, les Juifs. Mais les Juifs. Pas les païens, mais les religieux. Ça nous prie avec eux. Et le ministère, beaucoup contesté, combattu par les Juifs. Attends, vous n'avez pas le dit? Les On a plus de problèmes avec les religieux que des païens. C'est la même chose, c'est l'apôtre Paul. Oui? Mais les Juifs. Mais les Juifs. Jaloux pris avec eux. Les Juifs jaloux. Jaloux. Les Juifs jaloux. Aigris. Haineux. Remplis de méchanceté. Pris avec eux. Quelques méchants hommes. Donc, et dans les temples, là, ils sont tous là déjà. Au cas où. Vous voyez? Des prédicateurs qui ont des méchants hommes. Ils ont des microbes. Ils ont toujours des mauvais hommes, des méchants hommes. Maintenant, si tu dis cela, Dieu est en guerre, mes chiens de guerre, ils vont te bouffer, ils vont te taillader, ils vont te faire ceci. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Dans leur temple où ils priaient là, ils avaient un réseau où ils hébergeaient, ils nourrissaient, ils alimentaient, ils entretenaient, ils blanchissaient. Des tailladeurs, des méchants hommes. Eux sont là spécialement pour que quand ils verront des gens qui vont parler contre leur cause, et que étant limités dans le tel espace doctrinalement, ils puissent les larguer contre eux. Alors. Mais les Juifs, ça nous prie avec eux. Oui. Quelques méchants hommes de la populace. Quelques méchants hommes de la populace. Provoquèrent des attroupements. Provoquèrent des attroupements. Et répandirent l'incitation. Et répandirent l'incitation. Dans toute la ville. Répandit l'incitation, la haine contre les serviteurs de Dieu. Ils ont répandu ça dans toute la ville. Oh, ils disent qu'ils vont à l'église. Mais voilà leur travail. Ils se portaient. Ils se portaient. À la maison de Jason. À la maison de Jason. Et ils cherchaient Paul et Silas. Ils cherchaient Paul et Silas. Pour les amener vers le peuple. Pour faire quoi? Pour les amener vers le peuple. Pour les amener vers le peuple. Oui? Ne les ayant pas trouvés. Ne les ayant pas trouvés parce qu'ils sont. Maintenant, un temps viendra, s'ils n'ont pas réussi à voir Gédéon, c'est vous. Parce que c'est vous qui avez reçu mon ministère. Amen. C'est vous qui avez cru à l'évangile que je prêche. Amen. À défaut de ma voix, vous serez dans leur viseur. Ça vous jouez là. Et non, ils ont insulté le pasteur, vraiment, ça m'a attristé. Tu n'es pas encore attristé. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Donc Jason qui a juste hébergé, cru au message, Christ, l'évangile, la vérité qui est Christ, que Paul a prêché là, comme ils n'ont pas trouvé Paul, à défaut de le prendre, ils ont pris celui qui a cru en son message, qui a été baptisé. L'homme qui avait discuté tout du Paul a dit que, Paul a dit que, Paul a dit que, hein? Paul a dit que, Paul a dit que, donc ce que nous dit là, ce n'est pas vrai. Frappé, lui a fait, lui a... Ne les ayant pas trouvés. Oui. Il traînait Jason. Il traînait Jason. Et quelques frères devant les magistrats de la ville. Voilà. En criant. En criant. Ces gens. Ces gens. Qui ont bouleversé le monde. Alléluia. Ces gens qui ont bouleversé le monde. Ils sont aussi venus ici. Ah. Et Jason les a reçus. Et tel individu l'a
reçu dans son quartier. On voit tel trop dans sa vidéo. On voit celle-là trop dans sa vidéo. Alléluia. Vous serez traités comme ça. C'est pourquoi on doit être soudé. On doit être véritablement soudé dans le combat. Et que personne ne se sous-estime. Que personne ne pense qu'il n'est pas concerné. Tous nous sommes concernés. Parce que nous avons tous un sort commun. Alors, on voit trop lui là dans sa vidéo. Lui là, sa photo est trop dans ton truc. Eux, il y a des sorcières qui maltraitent leurs propres parents. Et notre pasteur là, il est comme ci, il est comme ça. Est-ce que moi, il était forcé de croire à moi? Parce que ton parent ou bien ton petit frère a cru à l'évangile que je prêche là. Toi, tu dis que tu adores Dieu. Le fait même qu'il croit. Mais chacun est libre de croire ce qu'il croit. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Si toi, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il prêche là, ou bien ce qu'il croit, crée une assise pour lui prouver que toi, ta foi, je vous salue Marie, pleine de grâce. Mais vous n'avez pas cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Va tenir devant ça là. Bousille, on va faire là. Je comprends maintenant pourquoi vous ne pouvez jamais venir devant nous. Toi qui dis que le cadre pastoral est marque de la bête, écrit sur l'église est marque de la bête, est diable. Aujourd'hui, tu dis qu'on peut pas, on peut écrire sur l'église, ce n'est pas ça le problème, mais c'est la doctrine qui est prêchée dans l'église. Mais c'est ce qu'on t'a toujours dit depuis. Alléluia. Depuis que je prêchais à la Sorbonne, que ces maudits-là me suivaient. Parmi eux, certains étaient de mes lecteurs. Mais c'est la même chose que j'ai toujours dit, que j'ai toujours prêché, que c'est la doctrine qui est prêchée dans une communauté qui est le problème. Et non pas le fait d'écrire sur un lieu de prière. Et c'est ce qu'il a toujours dit. C'est toi qui as pensé que ce n'est pas juste. Tu es sorti d'après toi. Tu as fumé Gali jusqu'à tu es revenu encore. Non. Écrit sur l'église, ce n'est pas le problème, mais c'est la foi qui est là-bas. Que Dieu vous maudisse encore. Aucune âme ne tiendra contre ce ministère. Il y a des années, nous avons cru à ce rêve-là. Que ce message serait la vérité absolue au monde qui va s'imposer, qui servira de baromètre, où ce message est la vérité absolue qui va servir de baromètre au monde, dans le monde et dans le domaine de la spiritualité. Amen. Le diable a infiltré au milieu pour créer la zizanie. Des gens font croire que ce n'est pas juste, d'autres font croire que ce n'est pas ça. Mais avec le temps, dans le temps, Dieu nous a donné raison. Amen. Alléluia. Amen. La chose dans laquelle j'étais, puis vous avez fait ma lecture, vous m'avez suivi là, c'est ça que je continue de faire. Dieu ne changerait pas de bouche. Amen. Alléluia. Amen. Le zodiaque est biblique et le sagittaire fait partie des signes du zodiaque. Amen. Ça, il n'y a pas un démon qui va me prouver le contraire. Surprenez-moi avec ces choses-là. Ça m'avertit. Vous allez faire marche arrière. Marche adorée. À part les faux pasteurs. À part. Les pasteurs coupés de calais. À part. Les pasteurs du robot. Un pasteur qui fait balai dans maquille avec sa femme. On appelle le pasteur Yorobo à sa femme, maman Klebaï. Oui, oui, parce que c'est l'esprit coupé de calé qui est dans le couple. Un couple adultérien maudit. Amen, amen. Amen. D'autres pensaient que j'étais leur camarade. Et des plaisantins comme ça, ils ont des mauvais esprits en eux, ils ne sont pas délivrés. Et ils ont déporté leurs mauvais esprits là dans le ministère. Et quand nous parlait contre ces choses-là, ils disaient que Gédéon est trop dur. Mais qu'est-ce que tu appelles trop dur? Il faut que nous respections et croyons ce que nous prêchons. Amen. Ne les ayant pas trouvés. Ne les ayant pas trouvés. Il traînait Jason. Il traîna Jason. Et quelques frères devant les magistrats de la ville. Voilà. En criant. En criant. Ces gens. Ces gens. Qui ont bouleversé le monde. Qui ont bouleversé le monde. Sont aussi venus ici. Sont aussi venus ici. Et Jason les a reçus. Il a cru à leur message là. Ils agissent. Ils agitent. Ils agitent. Contre toutes les édites. Ils agissent contre tous les édites. De César. De César. Disant. Parce qu'ils ont vu que dans la Bible là, tout ce que Paul prêchait là est propre. Ils n'ont plus rien à prouver contre Paul. Ils sont allés fouiller dans la loi des Romains, dans la constitution romaine là-bas. Hein? Un article qui dit. Ils agissent. Oui. Tout contre les édits de César. La loi de César, il ne dit plus. Oh, ils étaient dans le temple. Hein. Des gens qui étaient censés défendre les Écritures. Comme dans les Écritures, Paul les a vaincus. Maintenant, ils ont déporté la chose dans la politique, dans la constitution.
de Rome. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Disant qu'il y a un autre roi que Jésus. Bon, entre nous, un frère. Hein? Regardez. Les scribes là. Et les juifs qui avaient synagogue. Qu'est-ce qu'ils lisaient dans les synagogues lorsqu'ils se rassemblaient? Hein? La loi et les prophètes. Mettant dans la loi et les prophètes là. Selon les prophètes de Dieu qui ont été envoyés. C'est quel roi que les juifs doivent adorer, doivent suivre de façon unilatérale? Il y a combien de rois? Un seul roi. Un seul roi. Donc, dans l'adoration juive, il y a un seul roi qui devait venir. Parce que l'écriture que Paul a lue et l'exposé qu'il a fait là, c'est que selon la loi, les écritures, Jésus est le Christ. Et ils ont présenté le facteur de Christ en tant qu'héritier du trône de David, le roi d'Israël qui devait venir. Parce que leur conclusion qu'ils ont tirée est claire, qu'il y a un autre roi qu'on doit suivre que César. Ou bien c'est pas ça qu'ils ont dit? Ils agissent. Ils agissent tous contre les édits de César. Disant qu'il y a un autre roi. Jésus. Donc ils ont présenté le Seigneur Jésus en tant qu'héritier du trône de David. En tant que le roi des Juifs qui devait venir. Dans leur loi là. Dans la loi des Juifs. Dans la Torah qu'ils lisaient. Est-ce que les Juifs devaient avoir un autre roi que leur Dieu seul? Maintenant, le roi des Juifs là, est-ce que c'est lui qui était César? Est-ce que César lui-même est romain, est juif? Maintenant, d'où vient qu'ils savent chercher refuge auprès de César pour le brandir? Pour dire que, ces gens-là disent qu'il y a un autre roi que toi. Hein. Parce qu'ils ont vu que dans les Écritures, il ne peut pas les vaincre. Donc, il faut aller prendre un politicien pour le mettre en palabre avec les prédicateurs, les Paul et autres là. Et ils ont fait leur truc, ça a bien marché. Mais dans l'exposé de Paul là, est-ce qu'il a dit que Jésus est un roi qui est assis sur le trône, que tout le peuple maintenant doit aller là-bas et que Hérode là n'est plus roi? Mais d'où vient qu'ils ont inventé un gros mensonge comme ça? Parce que pour eux, Pierre et Paul est en train de battre la campagne d'un autre roi, un autre président, qui est celui qui va diriger la terre ou qui est en train de diriger la terre et qui a fait coup d'état pour venir au pouvoir. Maintenant, ses adeptes sont en train de battre sa campagne. Donc si Hérode ne fait rien, César ne fait rien, son pouvoir va tomber. C'est ça, non? Alors, par ses paroles, ils ont créé des sensations fortes dans la foule, des émotions. Hein? Donc, Hérode n'est plus roi, César n'est plus roi. Il y a un autre roi maintenant, c'est ce qu'ils sont en train de développer. Mais est-ce que c'est ce que les hommes de Dieu ont prêché? Dans l'exposé de Paul, prouvant par les Écritures que quoi? Remonte un peu. Expliquant et établissant que le Christ devait souffrir, ressusciter des morts. Jésus que je vous annonce, disait-il. C'est lui qui est le Christ. Bon, où est l'affaire de prendre place de César qui est là? Vis-à-vis comme ça. Où il a dit qu'il est venu régner sur le trône pour prendre la place de César et que César n'est plus le roi à suivre, mais c'est lui maintenant que vous devez suivre. À quel moment ils ont dit ça? Voici la prédication de Paul, voici l'exposé de Paul, mais regardez maintenant le rapport qu'eux sont allés faire. Ils agissent tous contre les édits de César. Ils agissent tous contre les édits de César. Disant qu'il y a un autre roi. Jésus. Par ses paroles. Il s'est mis la foule et les magistrats. Et l'objectif était atteint. Parce que sur le domaine de la parole, il ne peut rien contre lui. Il n'y a pas l'homme qui peut contre nous dans le domaine de la logomachie. Amen. Ici en Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier. Amen. Alors comme ils sont coincés partout, il faut procéder maintenant au sabotage et au dénigrement. Il s'est mis la foule et les magistrats. Hein? Ils ne laissent aller chasson. Ils les ont bloqués. Et les autres. Et les autres. D'après avoir obtenu d'eux
qu'après avoir obtenu deux, une caution, ils ont payé leur liberté sous caution. Oui, oui. Parce qu'il a dit que Jésus est le Christ, il est mort, ressuscité d'entre les morts, c'est lui qui doit vous sauver. Hein? Donc tu veux dire que Hérode n'est plus, César n'est plus roi. C'est Jésus maintenant. Et ce roi-là aussi, bête qu'il est, il n'a pas demandé la preuve de l'accusation. Et il a cru à ça. Parce que lui aussi était un ouvrier de malheur. Mais tous ceux qui appartiennent à Dieu, dans les appareils judiciaires, parmi nous les politiciens, tous ceux qui appartiennent à Dieu agiront toujours conformément à la vérité de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont monté ce mensonge-là, dénigrement, un mensonge grossier, et ça a pris. C'est pas allé quelque part. Et l'homme de Dieu, il ne s'est pas plaint pour ça. Eux aussi, ils n'ont pas renié, ils ne se sont pas dédiés pour fuir la vérité. Ils ont accepté leur sort. C'est comme ça. Amen. Alors, par ses paroles. Par ses paroles. Il s'est mis la foule et les magistrats. Il s'est mis la foule et les magistrats. Il ne laisse aller Jason. Et les autres. Et les autres. Qu'après avoir obtenu deux. Qu'après avoir obtenu deux. Une caution. Une caution. Le dernier passage maintenant. Luc 2, verset 34. Oui. Il fait au temple. Il fait au temple. C'est par l'esprit. Luc chapitre 15, le verset 1 à 2. Il fait au temple. Oui. C'est par l'esprit. Luc 23, le verset 31. Il veut au temple poussé par l'esprit. Et comme les parents abordaient le petit enfant Jésus. Écoutez maintenant ce qui arrive aujourd'hui, la contradiction, le problème que crée la révolution chrétienne aujourd'hui, c'est depuis la naissance du Seigneur. Amen, amen. Amen. Oui. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus. Comme les parents apportaient le petit enfant Jésus. Pour accomplir à son égard ce qu'on donnait la loi. Le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit. Bénit Dieu Jésus. Il reçut Jésus dans ses bras, bénit Dieu et dit. Maintenant Seigneur. Maintenant Seigneur. Laisse ton serviteur s'en aller en paix. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Selon ta parole. Oui. Car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Salut que tu as présenté, préparé devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël ton peuple. Et gloire d'Israël ton peuple. Ensuite. Son père Samuel était dans l'admiration des choses. Voilà. Qu'on disait de lui. Qu'on disait de lui. Simeon l'a béni et dit à Marie sa mère. Simeon l'a béni et dit à Marie sa mère. Voici. Voici. Cet enfant est destiné. Cet enfant est destiné. À amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Il va faire quoi? Il est destiné à amener le relèvement et la chute de plusieurs en Israël. Ça dit, il n'a même pas encore commencé à parler déjà. Regarde les dégâts que ça va créer. Quand il va commencer demain. Et devenir. Quand il dit qu'il est destiné, ça veut dire quoi? C'est son destin. C'est de provoquer la chute et le relèvement de beaucoup. Vas-y. Cet enfant. Est destiné à mener la chute. Il est destiné à mener. Il est destiné à. Amener la chute. Amener la chute. Et le relèvement de plusieurs en Israël. Ensuite. Et à devenir un signe. Cet enfant est destiné à devenir un signe. Qui provoquera la contradiction. Il va provoquer quoi? La contradiction. Mais pourquoi maintenant vous êtes contre les contradictions? Et vous voulez que tout le monde parle dans le même sens que nous? C'est pas ça qui est écrit là? Pourquoi on est surpris? Oui, mais c'est pas Jésus, on prêche maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Luc 15. Luc 15. 1 à 2. Et ce problème, ce travail, cette œuvre-là, va toujours provoquer de la contradiction. Mais on aura moins de problèmes avec les païens, avec les gens sans foi, que les religieux. Notre grand malheur, nos difficultés sont causées, seront encore causées par les hommes des soi-disant églises, par les religieux. Mais les païens, les gens qui ne vont pas dans ces communautés-là, qui sont fatigués de cette vie-là, n'ont pas assez de problèmes et n'ont tout pas de problème avec le message que nous prêchons. Alléluia. Vas-y frère. Tous les publicains. Et les gens de mauvaise vie. S'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie. Qui l'approchaient pour l'entendre? Jésus-Christ. Les pasteurs et les prêtres. Non. Les fidèles des communautés. Non. Les scribes et les pharisiens. Non. Les meilleurs et les véritables croyants en Christ, ce sont des gens sans foi. Et qui ont la conscience pure et vierge quant à la connaissance de Dieu, à qui maintenant la révolution chrétienne vient. Amen.
Alléluia. Amen. Cela, qu'est-ce que les autres vont dire? Tous les publicains. Tous les publicains. Et les gens de mauvaise vie. Et les gens de mauvaise vie. S'approchaient de Jésus. Oui. Pour l'entendre. Pour l'entendre. Et les pharisiens. Tous ceux qui appartiennent à Dieu dans les églises, dans ces communautés archaïques et bananières, dégoûtés de ces enseignements archaïques, sataniques, démoniaques, maléfiques, font marche arrière, s'assoient à la maison pour dire: ah, je suis découragé de la fête d'église. Sur laquelle ils attendent ce message-là. Il dit: mais c'est ça, là, moi, je passais depuis longtemps. C'est ça, maintenant, Dieu a voix vers moi. C'est dans ce temps-là que Dieu vient vers ses enfants pour leur parler. Alors, toi qui es là, qui entends ce message, si tu es convaincu, ce n'est pas une affaire de groupe, d'équipe ou de club d'amis de quartier, mais c'est une affaire d'élection et de prédestination. Amen. Alléluia. Amen. Si tu reconnais la chose de la vérité de Dieu, viens. On va mener le combat ensemble. Vas-y. Et les pharisiens. Et les pharisiens. Et les scribes murmuraient. Et les scribes, les gens de ces églises-là murmuraient. Disant. Hein? Cet homme accueille les gens de mauvaise vie. C'est quelle église ça? Et mange avec eux. C'est quelle église ça? Donc lui là, c'est affaire de boisson seulement. Nous, c'est que tu ne pries plus avec nous parce que Jésus a dit qu'on peut avoir beaucoup de femmes. C'est ça qui t'arrange, c'est pourquoi tu es parti. L'autre dit: ah, nous, c'est que c'est affaire de boisson. L'autre dit: ah, nous, c'est que c'est affaire de dire. Quel que soit le fait là, tu es sauvé. C'est à quoi de ça tu es parti. Mais il faut toujours une raison pour qu'un enfant de Dieu quitte la dénomination. Amen. Mais en venant maintenant à la lumière, Dieu se charge de libérer l'enfant de Dieu de tout ce qui n'est pas juste dans sa vie. Amen. Mais au départ, il met cela comme un handicap qui va pousser la religion à le vomir et lui-même aussi à vomir la religion. Dieu bénisse encore ses enfants. Amen. Et les gens m'ont dit qu'il est comme ça au quartier, il est comme si dans quoi. Mais tout ça là, ça va rien donner. Restez serein, restez confiant et restez ferme. Amen. Le dernier passage. Luc 23:31. Oui. Car. S'ils l'ont fait ces choses. S'ils l'ont fait ces choses au temps du Seigneur Jésus-Christ, il a été traité comme un Satan, comme un Belzébul, comme le chef, la superstar des démons. Vous voulez que nous soyons traités comment? La conclusion de la prédication, c'est quoi? Car s'ils l'ont fait ces choses, au bois vert, Jésus-Christ qui est le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Alors, ce matin, j'exhorte tous les frères et toutes les sœurs à être debout dans l'esprit, à reprendre force et courage et à ne pas céder au chantage, aux menaces, au dénigrement de ces ouvriers de malédiction. Car ce qu'ils sont en train de nous faire aujourd'hui, ils l'ont déjà fait à notre Père, à notre Maître, à notre Seigneur, à notre Dieu dans un corps d'homme, lorsqu'il est venu à Jérusalem. Sur ce, acceptons les dénigrements, les campagnes, les injures contre nous que les gens font ça et là. C'est cela qui prouve encore que nous sommes toujours dans la vérité. Sur ce, que Dieu nous bénisse et que nous soyons gardés dans la paix du Seigneur. Sont là aussi, qui ont écouté les versions. De la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons et qui veulent prendre. Nous ne sommes pas des communautés, on va dire qui est là pour la première fois, il va se dire on va t'applaudir. Quand tu es visiteur touriste, la tête qui est venue là pour la première fois, on va t'applaudir. C'est que nous-mêmes, la leçon va finir dans notre peau. Le peuple de Dieu doit applaudir. Le miracle est divin lorsqu'il s'opère. Amen. Alors, tous ceux-là, ou toutes celles qui sont là, après avoir écouté l'évangile de la grâce que nous prêchons, de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui sont là pour prendre leur baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, tenez-vous, tenez-vous. Ceux qui ont pris leur baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, par les mains des authentiques serviteurs de Dieu, des serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, qui sont là pour recevoir l'imposition des mains, ceux qui ont été baptisés dans la semaine, comme dans la semaine passée,
et qui n'ont pas encore reçu l'imposition des mains, veuillez vous lever et vous approcher maintenant pour recevoir l'imposition des mains. Alors, approchez-vous, oui, pour recevoir l'imposition des mains. Ceux qui ont reçu le baptême ici même, au nom du Seigneur Jésus-Christ, après avoir écouté l'évangile pur, les sœurs d'un côté et les hommes d'un côté. Le seul ministère au monde, il n'y a pas assez de femmes. Parce que nous ne prêchons pas ce que les femmes veulent. Parce qu'ils nous ont fait croire que ce que femme veut, Dieu veut. C'est pourquoi les gens beaucoup prêchent ce que femme veut. Nous, on n'est pas dans ça. C'est ce que Dieu veut que la femme doit vouloir. Amen. Un monde où la femme est divinisée, intronisée au-dessus des lois suprêmes divines, c'est un monde rempli de vanité. Oui, c'est bon de Dieu. Va à côté de ta soeur ici. Voici ces âmes qui ont pris leur baptême cette semaine et qui vont recevoir l'imposition des mains. Dans la paix du Seigneur, agenouillez-vous. Pas que vous vous agenouillez devant un homme, mais ceux qui vont vous imposer les mains là, il y a beaucoup qui sont petits détails dedans. Vous n'êtes pas à les chaises pour qu'ils s'arrêtent dessus. Et que devant Dieu aussi, tous les genoux fléchis au nom de Jésus-Christ, les prédicateurs, excepté le frère prédicateur pour lequel on a prié tout à l'heure, non, passez comme ça, vous ne pas créer des disons. Rentrez là. On va écrire la tête pendant que les saintes de Dieu sont en train de poser les mains à ces âmes. Ce sont les nouveaux baptisés convertis dans le Seigneur. Et comme après le baptême, donc, chaque semaine, chaque jour, il faut imposer les mains aux nouveaux convertis, comme cela est recommandé par les Écritures. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous imposons les mains à ces âmes pour la transmission de la vie éternelle, comme cela est dit dans l'Écriture. Nous te bénissons, nous te levons dignité, toi le seul et unique vrai Dieu manifesté en Jésus-Christ, le Seigneur. C'est ici l'accomplissement de ta parole. Ta promesse est pour eux et pour tous ceux que toi tu nous appelleras. Oh Jésus-Christ, que c'est ton soutien de ton bataille depuis la porte de à ce jour, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur sauveur.